일단 이즈한테 궁수는 그 녀석이, 해설과 신음을 오가는 그 녀석이. 그날도 언제나 그랬듯 LCK에 모든 관심이 쏠렸습니다. 이번 2017 LCK 이적 시장이 활발히 움직이며 각 팀들의 판도가 완전히 뒤바뀐 가운데 이적 시장을 주무르는 비선실세가 있다는 풍문이 돌고 있습니다. 저도 좀 그 얘기 들어본 적이 있는데 저도 직접 본 적은 없어요. 이야기만 들었을 뿐이지. 아, 솔직히 누군지는 모르겠어요. 뱅기도 중국으로 뱅기 태워서 보내버리는 거 보고 정말 그 사람이 보내버렸다 뭐 이런 얘기는 제가 성형이 없었어요. 2017 시즌 수많은 스타 선수들의 LCK 유입 그리고 진짜 스타도 등장했습니다. You want a piece of me, boy? 그런데 말입니다. 왜? 무엇 때문에 그래야만 했을까? 그들을 직접 만나봐야겠습니다. 스냅 선수를 비롯해서 중국에서 대거 KT로 이적을 했잖아요. 이를 두고 해외에서는 비선 실세가 KT를 매섭게 몰아주고 있다 이런 반응이 나오고 있습니다. 뭐 저 왔으니까 몰아주기 맞죠. 영웅 보여주기. KT 감독의 인성이 그렇게 좋다고 유명하더라고요. 옛날부터 소문이 자자해요. 그래서 아마 선수들이 그렇게 모인 게 아닌가 싶습니다. 그 감독님 인성이 그렇게 좋다고 소문이 났다던데. 감독님이야? 여보세요? 네? 폰 선수 폰 아닌가요? 폰 아닙니다. 이적 시장의 배우에 대한 궁금증이 더해지는 가운데 누가 LCK의 실세인가를 쫓는 목소리가 커지고 있는 상황입니다. Hey, Duncan bro, have you seen the news? What's going on? 저는 좀 많이 무서웠어요. 물론 저도 아프리카를 원했지만 VIP도 그걸 원했었고 VIP도 그걸 원했었고 아무에게나 붙지 않는 단어 VIP. 우리는 이 결정적 증언을 토대로 끈질긴 추적에 나섰습니다. 그 결과 버려져 있던 태블릿 PC와 파쇄된 문서들. 이 안에는 선수들의 개인정보 그리고 로스터를 고치는 적이 남아있었습니다. 그렇다면 누가 왜 이런 일을 했을까요? 피에 대한 소문을 조금 들으셨나요? 저 그런 소문 못 들었는데요. 그럼 그때 뭐 하고 계셨어요 혹시? 그때요? 아마 짜장면 먹고 있었을 거예요. 제가 그분을 좀 잘 아는데요. 아마 그 선수가 저보다 좀 못하죠. 그 사람 있잖아요. 월드컵 우승도 하고 싶어하고 올스타도 가고 싶어한다고 그러더라고요. 그래서 그 로스터도 바꿔버렸다니까. 엠비전 선수, 이적에 대해서 크게 압박하거나 그러신 거 있으시죠? 아니요, 모릅니다. 태블릿 PC에 대해서 아시는 거 있으신가요? 아니요, 모릅니다. 한마디만 해주고 가세요. 엠비전 선수, 엠비전 선수! 아, 씨, 엠비전.
의혹과 정황만 있고 실체는 없다가 이 사건의 핵심입니다. 그런데 말입니다. 마지막으로 이 영상을 함께 봐주시길 바랍니다. 안녕하세요. 마린 선수 오지은에서 나왔습니다. 네, 무슨 일로? 아, 이번에 이적상 관련해서 좀 알고 네. 계신 게 있다고 들어가지고요. 전 잘 몰라요. 좀 아시는 게 있다면 몇 가지 얘기 좀 해주시죠. 전 모릅니다. 그 혹시 마선실세 맞으시죠? 마선실세. 직접 하세요. 시리아, 시리아, 세상에서 제일 롤을 잘하는 사람이 누구니? NCK 이상혁입니다. 그럼 셋째 탑은 누구니? NCK 스메브입니다. Ce petit début avec l'OGN. Ah ouais, ah ouais, c'est bon. Hein. Bon, voilà, on retrouve l'humour, leur humour bien à eux, avec Marine, toujours comme disait Chips pendant le sujet, toujours mise en avant par l'OGN. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que tout ce sujet a été fait suite au 4chan post que vous aviez vu, oui. Avec comme quoi Marine en fait aurait été le plus ou moins le trader. De l'ensemble du mercato. Qu'il était le marionnettiste de toutes ces équipes coréennes et de tous ces joueurs coréens. Ouais, et on aura. La marionnette. Bien évidemment, même nous qui avons des insights, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Oui. 99% de bullshit. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir fait un espèce de sujet sur les et d'avoir mis Marine en front. Ouais, il se tape un bon délire parce que c'est long. Hein. Il y a, ouais. Il y a, justement, ils te font monter. Il y a beaucoup de plans, il y a tellement de joueurs, de scènes, etc. Et vraiment, je trouve que le storytelling de cette LCK cette année, elle est vraiment très agréable. On voit les équipes justement à l'écran du prochain match, Prey et Gorilla, qui ont décidé d'aller. Du côté de Longzhu avec le petit frère de Faker. Alors, il faut savoir vraiment que pour Prey, Gorilla c'était à peu près le seul endroit où ils pouvaient se retrouver à deux. Donc Gorilla avait des propos. Il a failli aller chez TSM. Ouais. Ouais. Bon, on a même entendu des rumeurs par rapport à Immortals. Ouais, parce qu'en fait au début TSM était la seule équipe NA vraiment sur les rangs. Puis Immortals est venu avec leur valise de billets. Du coup, Immortals s'est passé devant en termes de priorité pour lui. En fait, le problème, et ce qui lui a été dit, c'est que Wild Turtle est flairant. Du coup, il ne voulait pas aller jouer avec Wild Turtle. C'est un vrai problème pour lui. Ce qui peut se comprendre. En fait, il avait le choix. Parce que Gorilla, c'est un joueur qui est un peu inquiet pour le futur de sa carrière. Et grosso modo, il trouvait que l'idée d'aller en Amérique du Nord, ça lui permettrait d'apprendre l'anglais, de commencer peut-être... À se créer une identité de streamer et pouvoir justement subvenir à son futur comme ça. Mais il savait très bien que le choix compétitif restait en LCK. En fait, dans son idée chez TSM, je pense qu'il y avait eu Double Leaf chez TSM, il aurait vraiment pu y aller. Si Double Leaf n'était pas allé streamer, il aurait vraiment pu y aller en fait Gorilla. Mais Wild Turtle est trop flairant, donc c'était pas possible. Non, mais Wild Turtle, les mecs, il a eu, on va dire, une espèce d'état de grâce l'an dernier parce qu'il s'est fait porter par Uni et Rainover. Dans la plupart de ses matchs de saison régulière, mais ça reste un ADC qui est archi flair. Il avait Royal Never Give Up aussi en possibilité en Chine, mais le problème c'est qu'il n'était pas confiant dans les structures chinoises en fait. Bah ouais, le problème. Enfin, il avait un a priori vis-à-vis justement du management des équipes chinoises, et du coup je pense qu'il a fait le meilleur choix. Il est quand même payé très convenablement chez Longzhu, et en plus il peut rester dans une région compétitive avec une équipe compétitive
puisque moi je pense qu'ils sont tiers 1 potentiellement. Oui, cette équipe. Fly à la mid lane chez KT a été très convaincant. Et BDD, ils ont deux profils super différents. Différents. BDD, moi je trouve un petit peu déçu, mais on sait que le joueur a énormément de potentiel. C'était pas bon, il est pas non plus arrivé dans la meilleure période de CJ, donc pourquoi pas. Après ouais. Voilà, bon bah je pense que bah c'est ce qu'on vient de voir. On a aligné Fly en première game qui à mon avis a plus de chances d'être titulaire avec un BDD un peu comme un Easyhoon qui vient ponctuer selon les besoins. Bon bah la duo lane Pregoria, je pense qu'il y a rien plus à besoin. Dire. Crash est un très bon jungler, c'est un des junglers très prometteurs qui est rentré. Bah justement, il y a des choses assez intéressantes à dire sur lui et enfin voilà, disons que Chaser l'année passée quand il avait été recruté chez Longzhu était un peu c'était une des pépites de l'équipe et dans l'ombre, il y avait Crash qui était donc un très jeune joueur de solo queue etc. Et Crash, ce qui est super intéressant, c'est que l'année passée, il est sur donc il a joué 30 matchs chez Longzhu l'année passée, exactement. Et il a un win rate de 56%, 57, 56. L'équipe des Longzhu, sur toute l'année passée, a un win rate de 44%. Donc en fait, le joueur surnageait dans l'ensemble, même dans une équipe qui avait énormément de problèmes. Leur 10-man roster, en fait, a posé des soucis. Ils n'ont jamais réussi à trouver les bonnes formules. Ils ont encore un plus de 10-man roster. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que l'année passée, le coaching staff n'a vraiment pas réussi à créer quelque chose de bien. Et les joueurs comme Chaser, par exemple, disent que le problème, c'est pas que les joueurs étaient mauvais, c'est juste que le mot vraiment, enfin l'expression la mayonnaise n'a pas pris, ouais. Est clairement adapté au Longzhu. Les mecs n'ont jamais réussi à trouver la bonne formule et le coaching staff avait l'air un peu perdu en fait. Donc Crash là-dedans a quand même réussi à avoir des performances largement au-dessus des moyennes de son équipe. Je trouve que là où ça se goupille bien pour les Longzhu dans ce début de saison, c'est qu'Expression est très à l'aise sur des tanks. Là où Crash, au contraire, dans un jungler agressif qui peut carry dans une jungle qui est très très forte, qui à mon avis va se faire largement focus. Fly et BDD couvrent tout le spectre des picks. Et Pregoria, ils sont au top. Donc je trouve qu'en fait, en plus d'avoir une line-up qui, à mon avis, sur le papier, est assez équilibrée et a de grandes chances de synergiser, ils tombent, je pense, pile dans la bonne méta pour vraiment consolider leur nouvelle formation. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Expression du coup et Crash sont les deux seuls survivants en fait de l'équipe de l'année passée. Pourtant, il y avait du talent. Hein. On parle de Coco qui pour moi en 2015 était le deuxième meilleur mid laner en Corée. Ouais, avec c'est lui Victor. Qui a amené Victor sur le devant de la scène. Oui. Non, Coco c'était plus Jace Leblanc, ça Leblanc. Il y a quelques outplays de folie. Il y avait Leblanc. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y avait son Jace aussi. Non, I mean love is the Coco. En fait, le problème, c'est vraiment, cette équipe Longzhu, elle marchait pas. Et au top, ils ont gardé Expression. Je pense que c'est un très bon choix parce que c'est un mec déjà qui a beaucoup d'expérience. Il était là au Worlds saison 2. Il avec, joue safe. Non, saison 3 avec Najin Black Sword. Et surtout, c'est un tryharder. Le mec, il a vécu une année en 2015. Il a vécu une année de disette où en fait, il avait juste assez d'argent pour s'acheter des nouilles à réchauffer, préparées et jouer toute la journée. À League of Legends pour se maintenir à niveau. Ouais. Il était pas dans une bonne situation, il était vraiment dans la merde et le mec il a survécu, il a maintenu son niveau sur League of Legends. Et genre en Corée il a une réputation de mec qui genre est capable de ne pas manger pendant une journée entière tellement il focus sur le jeu. Non mais c'est, je pense que ils ont aussi beaucoup de chance les Longzhu d'avoir jeté Prey et Gorilla. Dans le sens où je pense qu'en duo lane utilitaire, même s'ils sont très forts en tenue de lane, en teamfight, etc., je pense que Prey dans le profil ADC, soutien, engage, c'est une Jean, référence Jean, absolue. Jean H, il est pareil, lui, il est dans sa méta. Hein. Parce que lui, il les jouait à l'époque où personne ne les jouait. Enfin, Jean un peu différent, mais H, c'est vraiment, pour moi, son pick signature. Dans une méta où H, Varus sont très plébiscités, je pense qu'ils sont très forts. La duo lane, en termes de tandem, on a vu qu'ils n'avaient rien à envier même à Bang Wolf. Je pense vraiment que c'est une très très bonne acquisition. Et justement, on parlait de ces line-up vraiment à double tiroir où tu peux quasiment remplacer tous les joueurs. Tu as un point fixe, tu sais que normalement, Prey et Gorilla vont être titulaires. Donc finalement, après, c'est des rotations et des ajustements entre BDD et Fly. Expression, a priori, pareil, il ne va pas bouger. Voilà. Je pense que Crash, il ne devrait pas trop bouger. Fly, BDD, je pense que c'est vraiment les deux qui vont beaucoup tourner. Parce que BDD, c'est tellement un jeune talent en devenir, on attend tellement de lui. Il était présenté, ils avaient le hypé dans tous les sens, il était présenté comme le Faker 2.0 de 17 ans qu'on attendait pile l'âge légal pour le mettre dans la compétition. Le jour de son anniv, il est sur scène. Donc je pense que c'est un joueur qu'on est amené à revoir. Et comme tu l'as dit, Prey Gorilla,
eux ne vont pas bouger. Donc je pense que là, Longzhou, ils ont peut-être trouvé la formule qui peut marcher. Puis c'est une équipe qui est un peu mal aimée en Corée, parce que justement, elle a fait beaucoup de bruit à son arrivée. C'est une structure chinoise qui est derrière Longzhou, c'est un sponsor chinois. Et disons qu'ils sont arrivés avec tous leurs dollars l'année passée. Ça a fait beaucoup de bruit, mais ça a fait flop. Et en Corée, malheur aux losers. Voilà. De toute façon, il n'y a que le vainqueur qui est aimé en Corée. Et en face, on va retrouver, parce qu'on a beaucoup parlé de Longzhou, ce qui est normal, on va forcément avoir primeur à la nouveauté. Bah. Forcément, il y a plus de choses à dire que sur une vieille line-up. Maintenant, Samsung, c'est peut-être la belle histoire du Summer 2016, la très très belle histoire. Ils sont stables. Ils sont partis de rien, ils ne pensaient même pas se qualifier pour les Worlds. Ils finissent finalistes dans le BO peut-être le plus difficile que SKT n'ait jamais gagné. De nos jours, c'est très très rare d'avoir une line-up qui ne change pas un seul de ses membres. Même SKT, après avoir été champion du monde, ont changé un membre ou deux. Tout le monde change des membres. À part SKT 2013. Stabilité, il y a Splice par exemple qui change aucun membre. Mais c'est rarissime. SKT 2013-2014, voilà. Où ils reprennent tout le monde. Et encore, parce qu'il n'a pas tenu longtemps. Poumandou se fait remplacer par Picabou. Et puis après, bon, il y a eu tous les remaniements. Et en même temps, voilà, quel dommage ça aurait été de casser une line-up qui a eu une courbe de progression aussi incroyable l'année dernière. Et on ne sait, honnêtement. Pour moi, c'est l'équipe qui arrive la plus forte. Chips en parlait justement off tout à l'heure. Pour moi, ils devraient dominer ce début de saison. Ils ont. En plus, la méta a pas tant. Elle a changé, hein. Mais elle a pas tant changé que ça. Les pics sont restés plus ou moins les mêmes. Les IEM qui gagnent, ils jouent de la même façon que l'année précédente. Hein. Ouais. Et je pense qu'on devrait, les voir sur le même style de jeu. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une équipe un peu caméléon, Crown. Quoi qu'il arrive au mid, je pense qu'il aura jamais. Enfin, il aura toujours des champions sur lesquels il est excellent dans la méta. QV, il sait s'adapter. Tant Carry, même si. Il est meilleur sur des picks qui font la différence. Je préfère sa version Carry parce qu'il a ce petit feeling. Ce petit Kennen. Il a ce petit truc en tant que joueur qui fait qu'il peut faire la différence. Il peut être game maker en fait, c'est le moment où il va go in. Ouais. Et là, il va faire un carnage. Il a cet instinct un peu à la SMEB de tueur en tant que Carry. Mais je trouve quand même. Que en fait, sa plus grande science, c'est le positionnement et le flanking. Ouais. Et c'est vrai que. Alors, l'avantage quand tu flanques parfaitement avec un Kennen, c'est que tu mets énormément de dégâts. Mais si tu le fais avec un Maokai ou une Poppy, t'as quand même tout ton impact. Donc, quand t'as vraiment cette science de pénétrer les lignes adverses, tu peux. Le petit frère de Faker, Crash, on vous en parlait. On est en 7.1. Donc, Kennen n'a plus le burst qu'il avait à l'engage. Il y a un bouton. Alors, Lee Sin ouvert, il y a tous les junglers d'ouvert. Alors, sauf si on dit que Camille peut être jungle. Ah, Zab a des doutes sur l'identité de Crash. Mec, alors, petit frère de Faker ou pas? C'est lui ressort de Faker. Non. Non, mais il ressemble à si, c'est le petit frère de Faker. Non, moi, j'ai été en Corée, j'ai des sources internes. Ouais. J'ai rencontré la mère de Faker. Ouais, bien sûr. Je vais parler. Je pense que ses parents, ils ont 14 vigiles pour pas pouvoir faire chanter le triple champion du monde. Et des téléphones gratuits aussi, SKT. Ouais. Ambition sur un Lee Sin. Ouais. Et c'est vrai qu'il lui ressemble quand même beaucoup. T'as vu ? Ouais, c'est dingue. Il y a un vrai air. Hein. Alors. D'ailleurs, on a vu avec Chips le Lee Sin de Faker. Ah, c'est solide. Oh là là. Il est bon, de toute façon, il est bon sur tous les picks. Non, du jeu. Le Lee Sin de Faker, il doit être au minimum au niveau de Chips. Allez, Préo Gorilla sur une line-up complètement nouvelle. Ah, bah, c'est eux qui l'ont créé. Bah, ceci dit, mais attends, mais on doit s'en douter du côté de Samsung. C'est tellement une équipe qui est rigoureuse au niveau de la préparation de ses matchs. Bah, si en choisissant la Zyra. Sachant que c'est le premier Gorilla à avoir sorti une MF contre de la Zyra, a priori, oui, si tu prends Zyra contre Pré-Gorilla, tu pire, t'attends. Ils avaient scrim ensemble, ils l'ont trouvé dans leur scrim. Ouais, c'est entre Rock et Samsung. Ouais. Donc Rengar, plus cette duo lane qui apporte pas mal de contrôle et de dégâts. Attention au niveau du bot. Ça j'ai tape. Un peu peur quand même pour KorGG et Crown, enfin et Ruler. Plus pour KorGG parce que c'est lui qui a la Zyra. Mais c'est marrant, Samsung, ça leur arrive parfois de se mettre dans des situations où ils sont un peu inférieurs, où ils risquent de vraies choses avec leur pick. Mais c'est une équipe qui a tellement un jeu rigoureux que bien souvent ça passe en fait. Et finalement KorGG qui aura mérité et gagné sa place de titulaire chez Samsung. Il y a eu encore le moment où ça alternait un peu avec Vress. Et à partir des Worlds, on a vu qu'avec Vress ça marchait pas et que KorGG ont gagné tout. Mais déjà dès le Gauntlet. Hein. Dès le Gauntlet, je suis d'accord, c'est fin de Summer Split. Ouais. Fin de Summer Split, c'est l'expérience de Vitas, ça c'est d'avoir joué avec KiwiKid. D'ailleurs, la belle histoire quand même, parce que la Zyra support,
de Core JJ. Au début des Worlds, c'est lui qui la sort. Et on dit c'est l'influence de KiwiKid et ça finit par devenir un top pick la saison d'après. Un des rares joueurs à avoir été relégué deux fois dans une année avec deux équipes différentes. Ouais, hein. C'est... Les vrais génies savent. Ah bah oui, c'est les vrais. Mais c'est vrai que le golem ronceux qui a porté finalement son pic dans les sommets. Bah on le sait, et puis KiwiKid tellement polyvalent qu'il joue à Overwatch au lieu de jouer à League of Legends. C'est tout faire. C'est tout faire. Mais chez Dignitas, finalement il y a une grande tradition de joueurs d'Overwatch. Avec Core JJ, KiwiKid. Gamsu. Ah oui, 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 c'est vrai, Gamsu, bien évidemment. Ah ouais. Donc je pense qu'en fait c'est une line-up, c'est une structure qui prépare à l'avenir. Oui. Alors, ok, donc pas de Maokai et une Poppy qui est validée. Il reste quoi en gros tank sur la Fly play? Fly sur une Talia. Moi, Fly sur Talia, excellent. Ça a été un des meilleurs joueurs l'année passée sur ce pick. Moi, je pense que c'est la meilleure performance que j'ai vue de Talia en 2016. Bah, la victoire de KT Rollster face à SKT, on la doit essentiellement au fait qu'au niveau de la draft, ils sont obligés de ban Aurélion Sol et Talia. Et donc, du coup, ça permet à Score de jouer ses main picks. Hein. Parce que si jamais ils avaient pu target ban Score, ils auraient jamais gagné les KT Rollster. Fly, c'est un démon sur Talia. Après, il y a un Victor monstrueux en face. Hein. Il a eu une semaine. Puis il a plus jamais eu l'occasion de la pique. Le Victor de Crown contre la Talia de Fly, c'est un beau duel, c'est messieurs. C'est pas. Il y a un Victor en face, pardon. Il y a le Victor. Il y a le Victor. C'est le Victor. C'est la Talia contre le Victor. C'est ça, exactement. Donc il y a un match-up de folie sur cette mid lane, même si ce sont deux mid laners qui clear extrêmement bien et qui n'ont pas vraiment tendance à s'agresser. Je pense qu'on va avoir plutôt des moves de décalage dans les fights qui vont devoir s'illustrer. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment de l'outplay possible partout. Et bien évidemment, je pense qu'on va suivre ce match-up, messieurs, top lane, le Singed contre la Poppy. C'est très fort en ce moment. Je trouve qu'il y a. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'évolution de League of Legends, c'est que des équipes ont des caractéristiques et tu les retrouves vraiment. Enfin, Samsung, pour moi, là, il joue à peu près comme l'année passée. Ambition qui a étendu son pool de champions à Lee Sin, on l'avait vu déjà. Donc je pense qu'ils seront compétitifs, reste à savoir ce que donnera la Zyra. Et du côté des Longzhu, en fait, moi j'avais certaines attentes, notamment Expedition, joueur de tank dans l'absolu, plutôt, avec une très grosse une lane qui joue sur un signe. Crash, qui est agressif. Un véritable petit génie agressif, et qui donc joue sur un personnage qui va complètement carry. Fly sur le type de champion qui lui convient, à savoir des mages wave clear, décalage. Et une duo lane, l'ancienne duo lane des Rogue Tigers, qui comme d'habitude sait s'adapter en fait. Ouais, honnêtement, je pense que quand t'es coach, t'es content d'avoir Prey et Gorilla. Dans le sens où, tu vois, même quand t'as. Pour moi, Prey et Gorilla et Bang et Wolf, c'est vraiment les deux duo lane. Tu mets partout, n'importe où. Tu jettes n'importe quel méta, à part les ultra carry, où je trouve que Bang s'illustre un petit peu moins sur les ultra carry, même s'il reste très fort. Les mecs sont toujours excellents et ils savent faire de l'utilitaire, des dégâts, du lane bully, ils savent en période de swap lane, ils sont excellents. Encore une fois, Smeb est au centre. Oui. Mais il y a une volonté, je pense, de Smeb pas mettre Faker. Je suis Smeb. De pas mettre Faker au centre cette année, d'essayer de renouveler un peu le storytelling. Quelque chose qu'on n'a pas fait en Europe et qui coûtait pas mal de. Coûtait pas mal de hype au LCS Europe l'année précédente. Après la chute de Fnatic 2015. Et on est parti. Noah, Longzhu contre Samsung. C'est bien avec cette compo, c'est que tu peux jouer extrêmement avancé chez l'ennemi. C'est-à-dire qu'Expedition, il peut aller faire du proxy, il peut être secondé par Crash et Fly assez rapidement, ça peut sortir de nulle part. D'ailleurs, on a Pregoria qui peut se mettre loin et apporter un soutien avec leurs ultis. C'est... Il y a de quoi faire un petit quelque chose, il faut juste que Pregoria, et on leur fait confiance là-dessus, arrive à salomer sûrement entre les skill shots d'ambition, de rouleurs qui ne vont pas manquer d'essayer de les focus. Ambition, il a un gros boulot à faire dans cette game. Hein. Ouais. Déjà en early. Et c'est pas si évident que ça hein, d'aller gank quoi que ce soit. Après, il y a du squishy sur la duo lane. C'est peut-être un des endroits parce que. Mid aussi, il y a quelque chose à faire. Ouais, mid, il y a peut-être quelque chose à faire. Talia, c'est possible à ganker. Top lane, je pense qu'il faut pas y aller. Parce que généralement, quand tu gank un siege, tu finis mal. Ben, si, vraiment, il fait le fou. En early game, tu peux. Hein, ça, justement, il faut le gank. Tu peux le mettre très très mal en early game. Des singes à 0,5, 0,6 en early game, ça arrive. Ça se voit. C'est vrai que ça arrive. Ça va dépendre comment il joue en fait. Ça va dépendre de son build. C'est le moment où c'est dangereux. C'est quand il commence à avoir 2-3 items. Son stuff un peu tank. Et là, tu sais que s'il a son ulti disponible, tu le tueras pas. Ouais. De toute façon, une fois que Singed c'est bien dans sa game,
Voilà, Prey qui prend pas mal de poke. Alors on en parle souvent, Jhin contre Zyra. C'est vrai que c'est pas le meilleur pour clear les plantes. Donc ça subit pas mal le poke Gorilla aussi qui se fait pas mal à race là par Core JJ. Je pense qu'avant le niveau 6 de toute façon la domination de la lane est pour Samsung. Avec ce poke vraiment facile à placer. Et dès le niveau 6 par contre, la combinaison d'ultimate à longue distance, là est un vrai problème où Ruler peut peut-être un peu moins synergiser avec Core JJ. Le truc c'est que si t'es derrière tes sbires, tu te fais poke par les plantes, et si t'es à côté de tes sbires, tu fais poke par le Vezrin. Donc t'as le choix entre la peste et le choléra, le bras ou la jambe. Y a pas vraiment de bonne solution dans ce genre de match-up. Ambition qui vient de récupérer son buff. Et peut-être le premier gang justement, regarde Crash. Il est vu Ambition. Attention au fake shake. Les bolas sont ratés pour Crash. Double bolas raté d'ailleurs. Ambition pour essayer de disengage. L'arrivée de Fly, le Q spell. On force le flash sur Ambition qui va prendre la plante derrière. Ah oui. Crash. Ah ouais. Ah le shield. Non. Il s'est dit je l'ai. C'est bon, je l'ai avec le red buff. Et il y a eu le cooldown du shield d'Ambition qui est revenu. Ah, il a été un petit peu présomptueux là, tu Crash. Cool guys ont tout cas explosion. Ah, ouais. Crash est pas encore assez cool, ah, les gars, on dirait. Ce n'est que le petit frère de Faker. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il voulait juste l'avoir avec le red buff à l'auto-attaque. Après, c'était intelligent de ne pas vouloir se commit, mais c'était sur le timing du rempart. Et du coup, ça ne fera pas de First Blood. Un flash lâché de part et d'autre du côté des junglers. C'est dommage, parce que là, en plus, il refresh son double buff là-dessus. Il prend un First Blood, il fait perdre du temps, Ambition. C'est bon, ça reste un bon deal, je pense, un bon trade. Mais c'est vraiment très dommage pour Crash. Ouais, on va revoir ça, justement. Et la Fly hein, qui lâche directement le Ghost. Il a raison, le Ghost qui revient très rapidement. Mais il sait qu'il a le buisson après. Oh, il avait... Ah, il a voulu se rentrer dans le buisson pour ressauter derrière et il perd la vision. Ouais. Un tout petit peu. Ouais, mais c'est mal lu de sa part. Là. Bon. Ah, tant pis. Hein. Dommage parce que son contre était bien. Et alors, pour Longzhu, il n'y aurait rien eu de mieux qu'un départ avec Crash qui prend en First Blood. Ouais, parce que Crash, il peut vraiment, vraiment mettre énormément de pression dans cette early game. Et puis dans la jungle, c'est un combat de snowball en début de partie. Ouais, c'est deux junglers qui ont une capacité de carry énorme. Mais il n'y a pas de focus sur les junglers, du coup je pense qu'on a les deux junglers les plus plébiscités du moment qui sont sortis sur cette partie. Ouais, le Rengo hein, toujours aussi fort. Rengo qui a retrouvé un peu sa place de 2014. Ce jungler dont tout le monde se méfie. Le triple Dark Seal. Je sais pas ce qu'il fait. Ah bah oui, pour le mana, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est ça sustain, hein, c'est sûr. C'est, après, je crois que c'est la première fois que je le vois en compétitif, cette itemisation. Ouais, je suis dubitatif, mais bon. C'est pas aussi fréquent que ça. Alors le carapateur qui va être sécurisé par Ambition. On va prendre de la vision pour l'équipe. On est encore loin des niveaux 6, on n'a pas de mana pour Prey. C'est pour le sang de mana, hein, c'est bien ça. Sur Sing, pourquoi pas hein. Ouais, non, mais c'est pas complètement ridicule, mais c'est vrai qu'on s'y attend pas quoi. Voilà. Comme on dit sur le chat, GG full stuff. C'est pas un truc qu'on a vu sur Ryze, hein. Non. Et peut-être ça va être le nouveau starter sur Ryze. Hein. 15 d'AP. Et puis bien évidemment l'augmentation de... Je crois que c'était 15% des potions. 25% des potions et 15 d'AP. Ouais. Bon. Mine de rien, ça plus la potion rechargeable. Pour un investissement minimum, il a quand même un bon pool de PV grâce à son passif. Et puis il peut spam, il répand des hectolitres de poison sur la top lane, il est content et il court et bientôt il ira entre les deux tours pour venir proxy tout ça une fois qu'il aura peut-être un petit peu de boots. Fly sur Ambition, il va mettre le Q-spell au corps à corps, il a tenté le bump dans les mines qui ne sera pas passé. Les plantes hein, qui vont peut-être sortir Fly, ouais, il va être obligé de back quand même le midlaner des Longzhu. Une ward à enlever, ça va être chose faite. Expression toujours avec son... Oula, parce que ça peut faire mal quand même si je... Voilà. Bah après, il faut pour tuer. Bon, il va passer devant. Le grab. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Et le dash. Ça fait mal. Hein. C'est toujours pour finir un kill avec, avec Singe, de la mobilité, ouais. Avec Singe. Bon, c'est pas le but. Lui, il est là pour courir au milieu des carries. Et au niveau de la duo lane, bah voilà, on le savait. Hein, Prey, Gorilla qui prennent... C'est étonnant hein, parce qu'on avait dit qu'ils n'avaient pas le poke, mais en termes de farm. Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent la domination tout de suite en termes de farm.
Après, il y a une qualité, il y a une telle qualité de duo laner. Non, en plus, Ruler a ralenti son itemisation au niveau de l'alarme de la DS pour mieux tenir sa phase de lane et pour prendre une brillance pour pouvoir accentuer un petit peu le poke. Et malgré ceci, bon, bah, ils se font toujours avoir au niveau du farm. Rappel de rideau, on a le niveau 6 en premier et on va forcer Ruler peut-être à claquer du summoner. Ruler qui prend le dernier hit à 275, Crash qui va arriver, le décalage de Fly, flash out de Ruler, c'est suivi bien sûr par Fly, et le doublé sécurisé par les longs zoos, Crash tombera tout de même sur ce dive. Ouais, après c'est le kill est pour Zaira, bon après c'est toujours bien de prendre un kill sur Zaira, la vague en plus qui va venir s'écraser sur la tour. Pendant ce temps sur la mid lane, c'est Crown qui va se charger de la T1 de Fly qui est parti récupérer le first blood. Et on a quand même une très très belle phase de jeu, hein. C'est pas la première fois que les Longzhu mettent en difficulté les Samsung dans ce début de partie. Je suis assez, assez satisfait de, de ce début de partie. Hein. Bah, la duo met la pression et derrière il y a le soutien pour venir récupérer le travail qui a été minutieusement fait sur cette bot lane. Par contre, problème, c'est que tu laisses pas n'importe quel pèlerin à la mid lane tout seul, tu laisses Crown qui en profite pour mettre 20 CS. Ouais, ça va vite. Hein. Crown avec son Victor toujours aussi efficace sur la top lane. QV qui tient pour l'instant. Bah, le truc c'est que Poppy ça a quand même un Wefleer plus que satisfaisant. Alors c'est Culler ou Gloire du Juste? Allez, GLP. GLP 800. GLP 800 singe. Le fameux. Tu verras un jour, on verra ça. Pourquoi pas? Genre il fait triple saut noir. Oh ouais, pour le mana. Pour le mana, ça fait 300 de mana. Fait 45 d'AP, 300 de mana, de la régénération, regarde, tiens. Hein. C'est marrant parce que fin, avec Singe, t'as plutôt tendance à investir sur le mid-game. Il veut une grosse phase de laning. Plutôt que l'early. Mais ouais, enfin, Expedition est un joueur qui fait jamais les choses au hasard, donc effectivement, je pense qu'il veut mettre un maximum de pression sur QV. Reste qu'avec... après, ça deny les cendres de Bami QV, mais il devrait aller sur... je sais pas s'il va finir visage spirituel ou pas avant. Ouais, dans tous les cas, il va manquer un peu de wave clear par rapport à ceci. Non, mais juste le manteau spectral est suffisant pour tenir au moins un petit peu de poke sur la ligne, un petit peu de poke AP. Ouais, le poke poison, je pense, suffira pas à tuer une copie. Je pense qu'avoir après du wave clear ouais, le pour Bami, tenir hein. Ce que va devoir faire Singed. Là, il faut prendre les cendres de Bami. Et pour l'instant, QV, hein, dans sa qualité de joueur, eh bien, de top laner, va tenir en termes de farm. Attention, encore une fois, rappel de rideau de la part de Prey, l'ulti qui est lancé, 2, ça touche, 3, le Rengar, et directement c'est le kill qui est récupéré par Crash. Il n'y a rien à faire sur ce genre de phase de jeu, et c'est encore une fois un kill récupéré, 3 hein, en faveur des Longzhu. Ah, le flash avait déjà été claqué précédemment pour Ruler, il ne pourra pas éviter le dernier tir du rappel de rideau, il ne pourra pas éviter eh bien, la charge de Crash, et en plus on va prendre le first blood de la tour, effectivement, Zab. Et on commence à snowball, un petit 2-5 gold d'avance. Ça se passe comme sur des roulettes pour les Longzhu. Ouais, les Longzhu qui sont très très chauds. Enfin, hein. Ça vient encore de la duo lane qui domine. Ouais, cette duo lane précise. Elle n'était pas censée prendre autant d'avantages, mais les laners sont tellement forts qu'ils ont réussi à être devant. Donc après le 6, forcément, les premiers golds sont convertis en dégâts. Il y en a de la Yumu pour commencer pour Prey. Ouais. Petit même post-refonte. C'est pas ce qu'on a vu de plus courant tout de même. Non, ça peut être joué. Et les Samsung, qui on les a pas habitués à faire des erreurs. Et là, qui se retrouvent un peu pris de court en ce début de partie. Après, tu me diras, qui peut lutter contre les anciens Rockstigers? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, il y a 100% de victoire pour les anciens Rockstigers. Voilà. On verra ce que font les Freaks avec Kuro. On verra ce que fait Skitty. Et on verra ce que fait Skitty avec Peanuts. On verra ce que font les anciens Skitty. Oui, c'est vrai. On attend Bengi au tournant. Bengi qui est parti. J'ai toujours du mal à croire qu'il est parti de LCK, Bengi. Pour moi, il est un peu indissociable de cette ligue. Mais bon, tous les meilleurs finissent par partir. Hein, la preuve, même Deft et Mata sont partis... en Chine, et les Longzhu regroupés, ils jouent par essaim, ils se regroupent ponctuellement, prennent un kill et essayent de récolter un maximum de ressources sur la carte. Toujours sur cette mid lane, par contre un déficit pour Fly de farming par rapport à Crown. Il a décalé, ça lui a coûté un petit peu, il essaie de se maintenir au maximum. Après voilà, cet avantage, il l'a partagé avec sa bot lane. Alors du côté de la top lane, voilà un dragon des océans qui va encore renforcer la nuisance de ce Singed.
Ah, le pire, c'est les singes avec trois dragons des océans. Hein. C'est intuable. Tu rajoutes un peu de dragon aérien, voilà. Le dragon des nuages, et là, t'as une vraie plaie. Goria qui se positionne, la plus bas, le déluge de plomb, et on va envoyer Expansion en retrait. Fly qui va essayer de poke un petit peu, appuyé par le rappel de Rideau, c'est QV qui va encaisser pour Ambition. Ah, il pourra pas aller chercher le kill sur Ambition, mais l'arrivée de Crash qui va essayer de rentrer dans le buisson, ça va être compliqué. Ah, Crash pas. qui ne peut pas. Il faut aller chercher le survivant, voilà, on va deny le back. Non, même pas, il a le temps de back. Il y a une tour qui veut, ils veulent faire tomber la tour à top lane. Par contre, voilà, Crown a une grosse vague canon là pour pouvoir mettre la pression sur la T1 mid lane. Il n'y a personne pour contrer sur la bot lane. Eh bien, ça a l'air d'arriver aussi hein, de manière symétrique. On a Ruler et Core JJ, mais heureusement, il y a Expansion en défense. Et j'ai peur que cette Thalia concède la tour sur la mid lane. C'est dingue parce que c'est pas la première fois qu'on voit une tour tomber à la mid lane rapidement dans les 3 BO qu'on a vu, enfin dans les 3 matchs qu'on a vu ce matin, depuis ce matin. Et le décalage, attention, Fly dans la contre Crown qui n'a rien perdu de son Victor. Qu'est-ce qu'il est fort sur Victor Crown. Mais Skate figure pour les longues zoos, de toute façon, eux, ils sont amenés à split. Ils ont un Singed. Singed, si tu split pas avec Singed, ben, le perso perd 80% de son utilité. Donc ils vont pousser sur les lignes très loin du côté d'Expansion. Et je pense que maintenant, voilà, ils vont se concentrer sur la mid lane. Avec un Fly qui pourrait éventuellement décaler. Crash qui peut intercepter les joueurs. Pour l'instant, on n'a pas. Voilà, Crown n'est pas encore rentré dans la partie. J'attends la phase de teamfight tout de même pour Samsung qui peut être très forte. Oui, bien évidemment. Avec ce Victor et cette Poppy. Et puis avec l'ulti de la Zaira. Bah là où Crash a peut-être va devoir jouer des pieds et des mains pour essayer d'arriver à faire énormément de dégâts sans se faire instantanément one shot. Faire les dégâts et jump in, ça il peut. C'est ne pas crever dans la seconde qui suit qui va être plus dur. Ouais. Et on est reparti. Prey qui pousse, qui va sûrement back pour aller récupérer son deuxième item. Pendant ce temps, donc on va jouer avec une Thalia au niveau de cette bot lane. Qui va profiter de la tour derrière. Des side lanes hein, qui sont tombés plus rapidement que la mid lane. Mais les mid lanes qui tombent vraiment très très rapidement, je trouve, par rapport à la saison 6. C'est une vraie nouveauté. Et Crown qui récupère son blue buff là. On va prendre le bouffe de mobilité dans la jungle. Il s'est retourné vers la tournée, je dis, il va pas gank tout de même. Il va pas gank, t'as un singed. Ah, là, à ce moment-là, c'est déjà un peu tard. Hein. Un Singe qui a bien farmé, 130 creep à 15 minutes de jeu. Et là, c'est marrant les supports qui jouent des ADC. Bon, Goria reste sur son pic qu'il a amené. Oui, c'est peut-être le plus légitime d'entre tous à jouer cette MF. Ouais, celle de Mata était pas mécaniquement parfait, mais... Tu vois qu'un bon ulti de Miss Fortune, ça fait tellement mal en fait en dégâts de base que... Il n'y a pas encore le Black Cleaver. Ouais. C'est quand même assez cher, hein. Comme itemisation, le Black Cleaver. Alors, gloire du juste finalement pour Expansion au top. Donc le choix de la tonkinesse, ouais, de la ambition, mobilité. Ambition pris à partie là, par Crash. Qui, comme l'a dit Chips, hein, très agressif sur Rengar. Qui cherche en permanence le kill sur ses adversaires. Et voilà, situation de 1-3-1. Avec Fly qui peut décaler rapidement avec son ulti. Expansion qui a une téléportation. Expansion qui va les split en profondeur. Le plan de jeu des longues zoos est en train d'arriver. Le catch sur Cordigi, obligé de flash. Lui qui est claqué pour Ruler aussi. Et le kill de Prey, le sniper. Qui a eu un sujet de LCK pendant au moins un mois à son nom sur son jean. Le sujet, on l'avait bouffé avec le viseur pour Prey. Oh, l'ulti, attention la tempête là, de la part de Kshua. On y va falloir sortir du champ de gravitation. C'est bon, c'est chose fait. Fly qui va s'en extirper aussi. Et les Longzhu qui vont reprendre un kill d'écart. L'écart gold maintenant quasiment porté à 3K à 17 minutes de jeu. C'est pas mal. Expansion qui en plus a un pic très gênant pour les tanks en mid late. Singe qui est vraiment très 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 fort contre les champions à dégâts modérés. Et on va sécuriser la dernière T1. Voilà, Expansion qui zone un petit peu. Il sait qu'il peut encaisser une charge, que les Samsung ne vont pas y aller en frontal contre lui. Et on va pouvoir disengage, faire un back. Ça joue bien chez Longzhu, ça joue même très bien. Ça joue excellemment bien. Ouais, je suis relativement surpris d'une équipe qui vient de se former et qui déjà
Click, c'est peut-être que j'attendais un petit peu des KT qui se sont plus illustrés pour moi par leur capacité individuelle que par leur réussite collective lors du BO précédent. Ça les a pas empêchés de. Ça les a pas empêchés, ouais. Ça les a pas empêchés de se balader contre les Tigers. Mais effectivement, le jeu d'équipe et les synergies sont bien plus propres. Chez Longzhu, là, ça joue très très bien chez Longzhu. Hein. Mais quand on en parlait avant que le match se lance, hein, la composition d'équipe en regardant les joueurs sélectionnés, elle fait tellement de sens. Ah oui, non, non, mais c'est. En fait, je pense que la seule chose qui peut désavantager profondément les Longzhu, c'est les périodes dans l'année où les tanks sont plus du tout en odeur de sainteté. Faut voir. Si, mais parce que Expansion, je suis pas sûr que tu vois, face à des joueurs comme Smeb, parviennent à tenir si jamais la méta elle est au carry. Quoi. Il a beaucoup de Echo, beaucoup de Gnar. Mais après, sur la totalité de ses picks, donc en compétitif, il a 15 Echo. Et un ratio de victoire de 33%. Donc oui, effectivement, quand tu compares à ces périodes sur les tanks, il est un peu moins fort. Mais bon, Chips nous a dressé le portrait un petit peu d'Expression. Tryharder de l'infini. Ouais. Non, mais l'équipe peut aller assez loin, hein, je pense. Avec surtout que à n'importe quel moment, t'as un BDD qui peut sortir du lot et un petit peu perturber l'équipe adverse. Donc vraiment, Longzhu, ce que disait Chips, hein, tier 1. Il y a un potentiel dans cette LCK, en tout cas de ce qu'on est en train de voir là. Et pour l'instant, on continue. Voilà le speed push, le contrôle de la mid lane. Et Samsung qui ne progresse pas vraiment. Parquet. Ludithalia, superbe en combinaison avec Gorilla qui met le sien. On vient récupérer le kill avec Rengar. Gorilla qui rentre dans la mêlée. Il s'est un petit peu fait charger par QV qui va tenter de dégager des joueurs. Le rappel du Rudo. La tempête de chaos qui fait énormément de dégâts. Crown qui a déjà pris un premier kill. On va réussir à en prendre un deuxième. Et derrière, il va se faire sanctionner. Il reste QV. Mais Expression qui court devant QV qui va essayer de charger un sbire pour s'extirper du joug de Expression. Mais finalement, il tombera sous les coups de Fly. Et ça va être un 4 kills pour 3 en faveur de Longzhu qui vont pouvoir se projeter sur cette T2. Est-ce qu'ils ont assez de dégâts pour la tomber rapidement? Il y a Rouleur, il n'a pas de wave clear, il y a Expression qui peut tout encaisser. En tout cas, ils vont lui faire très mal à cette tour. Et on va disengage, on va jouer safe. Il y a le buff Nashor, on a 20 minutes de jeu. Deux dragons pour les Longzhu. Oui. Mon pensant, c'est une domination assez nette. Hein. Samsung, à aucun moment, n'a eu l'initiative. Ils sont extrêmement passifs. Après, bon, Samsung, dans un style de jeu, c'est l'opportunisme même. On joue en contre, on attend l'erreur, et après, on se saisit de l'erreur, on prend un, deux kills, et d'un coup, on est incisif sur de la prise d'objectif. Donc, c'est dans leur style de jeu. Après, attention, parce que là, le snowball est tout de même assez bien mis en place par les Longzhu qui finalement ne font que très peu d'erreurs. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, ils prennent des bonnes initiatives. Derrière, ils ont quand même une grosse marge d'échec. Donc, les Samsung ne peuvent pas juste attendre et punir comme ils ont eu l'habitude de le faire. Et on est dans une méta jeune. Donc, les Samsung ne peuvent pas juste exploiter leur connaissance du jeu pour attendre en fait sur des points importants, des timings importants et essayer de punir leurs adversaires. Et on sent qu'ils sont un peu perdus là. Puis ils n'ont pas une grosse connaissance non plus de l'équipe en face, hein, qui a été tout nouvellement assemblée. C'est pas comme si tu pouvais essayer d'analyser un pattern de jeu, c'est en ça. Te disant voilà. Bon. Non mais là à ce moment-là, ce qui compte c'est qu'ils prennent le baron à tel timing, non, tu sais rien du tout. Donc il faut y aller un peu au forceps et je suis pas sûr que Samsung ce soit la meilleure équipe justement à l'arrache. Bon, on va voir si Crown est capable de renverser un petit peu la tendance. Il reste bien dans sa game, il a bien farm. Pendant ce temps-là, QV qui le papier, tu peux attraper. Oh là là, QV, oh les dégâts, ils vont finir par le tuer. Ils ont réussi à tuer une Poppy, ce qui quand même en saison 7 arrive assez rarement. Le papier tu mouges juste singed. C'est rare d'avoir le setup parfait pour pouvoir coller le mec à ta flag, mais quand tu réussis à le faire, c'est très satisfaisant. Parce que pour le mec en face, c'est très frustrant. Ah bah oui, c'est horrible. Hein. Mais on va push maintenant après avoir sécurisé ce kill sur top laner. En plus, QV n'a pas sa téléportation, donc il n'y a pas de comeback à attendre avec ce qu'il y a une ward qui est placé dans le dos. Mais de toute façon, il n'y a pas de TP pour venir sur cette ward. Le wave clear de Gorilla, on va tenter de pog encore un petit peu. Après, l'ulti, c'est assez étrange parce qu'ils mettent un ulti de wave clear, mais il n'y a pas de vague derrière. Donc Non, mais je pense que c'était plus un ulti de pog, mais il a dû voir que Samsung avait bien disengage, hein, qu'ils n'étaient pas restés scotchés comme des moutons parqués sous leur tour. Et il y a, bon, on aurait pu voir une rotation sur la botlane finalement. On va continuer de jouer safe, ils sont pas pressés non plus en Longzhu. Il n'y a pas un ultra hard carry qui va se révéler tout d'un coup chez Samsung dans leur composition. Non.
Donc je pense que c'est un peu, 50-50 au niveau des compositions et du scaling. Faut que je sois anti. Et là, en ligne de mire pour Crash. Crash qui va se jeter sur Crown. Les bolas qui vont passer. L'arrivée de Fly. Le flash out de Crown. On va essayer de prendre le bump qui va toucher pour Fly. Crown qui va peut-être tomber. Non, le juicy, l'arrivée finalement de Gorilla est derrière. C'est Ambition qui va récupérer le kill. Malgré la fatigue, le kick qui fera assez de dégâts. Ambition. Oh, il est lock. Il est lock. On remet les bolas. De nouveau, il y aura bientôt le shield. L'arrivée d'Expansion. Il met le ghost. Il met l'ulti. Il met tout. Il vient chercher. Quand GG, est-il récupéré l'aggro de la tour? Oui, l'aggro de la tour. Et il s'en va de façon seigneuriale. Ah, il s'est fait empaler là sur le dernier coup de rappel de rideau de son adversaire Prey qui vient pour l'instant une très très bonne game. Et on va back du côté de Longzhu pendant ce temps. QV qui va essayer de repousser un petit peu la mid lane, gagner du temps, mais les cargoles se creusent. Noah, les mouvements sont, enfin je trouve ça assez fou d'avoir de marcher aussi bien en équipe, d'être aussi bien coordonné avec un roster aussi jeune qui a été assemblé récemment. C'est vraiment impeccable. Le décalage est bien fait, le renfort est là. Ça, je suis assez surpris. Surtout que c'est l'équipe nouvelle qui a le pire crash test. Parce qu'ils tombent contre finaliste Worlds. Finaliste des Worlds et équipe qui n'a pas bougé. Donc normalement Longzhu... ça va envoyer, ça présage du très très bon. Ouais. Bah ça prend. Bah, après une équipe qui a pas du tout pris l'année passée, peut-être que c'est la revanche justement. Oh là là, et quand GG, le catch, par contre Fly, le flash out de Fly, le heal de Prey qui va sauver son mid laner. Ils sont démoniaques. Ils ratent pas grand chose, ils s'en sortent et la tour qui tombe. L'arrivée de QV peut-être pour essayer d'aller chercher Fly. Le problème c'est que ses mates se regroupent très très bien autour de lui. Pour dissuader le solo laner des Samsung, Expansion repart sur la top lane. Et ce Singe est un petit peu intenable. En plus, là, il y a le Zrot. Gloire du juste Zrot. Ah, ça, c'est pas du tout une itemisation qui fait chier les adversaires. Genre, t'es tellement toxique, mec. Trop toxique. C'est archi horrible. Ce Singe-là est assez horrible. C'est, tu ne veux jamais jouer contre ça. Ah là là. C'est, tu peux pas le tuer, tu peux pas l'attraper, tu peux pas l'empêcher de push. Partout où il va, il te laisse des cadeaux. Je me suis juré de jamais jouer Singe, mais si je jouais Singe, c'est trop drôle. Si je jouais Singe, je jouerais comme ça. C'est tellement stupide. C'est un peu retardigno. Hein. Et 5 cagoles d'avance maintenant pour Longzhu face à Samsung. Il y a un dragon à récupérer. Tout dragon, et ce qui est bien, c'est que Singe, tout dragon est bon à prendre. Oui, il n'y a aucun mauvais dragon pour Singe. C'est vraiment. Allez, dragon des montagnes est peut-être un peu moins efficace. Ouais. Et encore, parce que la capacité de split sous ulti d'un Singe sur une tour est loin d'être mauvaise. Et puis il y a son poison pour les dragons, bien évidemment. Ouais. ça, c'était avant, maintenant c'est plus très fort. C'est vrai. Il avait de l'attaque speed avant. Il avait de la D avant. Non, de l'attaque speed. Non, juste de l'attaque speed. Ouais. Mais beaucoup, genre, c'était. Et on c'était vraiment énorme. Mais ils ont réduit ça. Bon, en soi, ça n'avait pas trop de sens. Hein. Ouais, moi, ils ont pu se réorienter vers du tanking. Il en est parti. Le push c'est de la T2. C'est encore une ulti de Gorilla. Incroyablement bien placé à chaque fois avec sa Miss Fortune. Bon, on voit tout de même la différence de Miss Fortune entre Mata et Gorilla. C'est pas la même Miss Fortune. Mais c'est pas la même, c'est pas du tout la même compo en face. Effectivement, le pick-up en face, c'est. Il y avait qui sur son Malza plus une H à côté. Donc. Mais il est toujours placé tellement bien. Ouais, il est toujours de 10 mètres derrière tout le monde. C'est comme ça que ça doit être joué. Hein. Le problème de Matax, c'est que c'est un joueur qui est ultra agressif, ultra belliqueux. Et je suis pas sûr que les picks ultra squishy, justement, lui conviennent. Bah, il faut des trucs, c'est un peu comme, je dirais le même profil que Yellowstar dans son époque de capitaine d'équipe Shotcaller, c'est-à-dire un pick qui engage, un pick qui peut prendre l'initiative. Annie par exemple à l'époque était un pick qui convenait très très bien à Yellowstar et pour moi qui pourrait convenir à Mata. Un Thresh, bon le Thresh de Mata n'est plus à, il a son skin de champion du monde. On l'a vu, je l'ai trouvé excellent sur Kench. Hein. Oui, très très bon sur Kench. Très très bon sur Kench, c'est vrai que... La méta support, elle est un peu biaisée dans le sens où les supports, c'est des mages actuellement. Peut-être que ça n'a jamais été un grand joueur de mage. Hein. Au moment où il a commencé sa carrière en tant que support, il n'était pas prédisposé à jouer Miss Fortune. Hein. De toute façon, son pic de forme l'année passée à Mata correspond à la période où les supports tanky étaient plus à la mode. Donc oui, Alistar, Kench, c'est plus des pics qui lui conviennent. Même si on a le souvenir de Sajana, par exemple, Thresh étant un peu hybride.
là, en, il y a Jana en termes qui, de support. Qui pop de nulle part et qui met des buts là, un point de vie. Ouais. Incroyable. Mais c'est vrai que par contre, enfin voilà, je... Nami c'était pas mal en Chine, c'est vrai avec Uzi il se tompait des duo lane, mais est-ce que c'est vraiment le type de champion sur lequel il excelle? Pas sûr. Je suis pas certain moi non plus. Hein. Mais ouais, moi j'aime bien sur les supports tanky. Après en revenant en Corée, je pense qu'il va être obligé de trouver des supports de référence à chaque dans chaque style. Hein. Oui, clairement, hein, c'est t'as c'est... pas le choix. Tu t'adaptes à la méta ou tu meurs. Bon, en Corée, ou tu t'appelles Rock Tigers. On n'aime pas les perdants. Ouais, mais les Tigers c'était encore autre chose. Ils ont créé leur méta quoi. Après les Rock Tigers, ils ont jamais réussi à percer de par leur suragressivité. Ils en ont jeté des BO contre ça veut contre SKT. Ah oui. À vouloir Tower Dive à 3, 4. Les fly, l'agression au mid avec l'ulti. On force le flash sur Ruler, le flash sur Ambition. L'arrivée de Crash et le kill sera pris par le poison d'Expression. Oui. Oui. Il y a un truc qui est assez amusant finalement, c'est presque l'ironie du sort. Je trouve que Lungzhu joue un petit peu comme Samsung, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur. À chaque fois qu'ils ont leur cooldown d'ulti, ils l'utilisent pour faire craquer des summoners. Et une fois qu'il n'y a plus de summoners, ils arrivent toujours à prendre un joueur ou deux et ils font un écart goal à partir de là. Mais c'est un peu plus rythmé que Samsung quand même. Samsung ouais. A ce défaut de. D'attendre. De parfois laisser passer un objectif. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont toujours été très patients. Et voilà, Samsung. Encore une fois, c'est des flashs craqués. Et un Nashor sécurisé pour les Longzhu qui va permettre peut-être de venir débloquer l'inhibiteur. Il n'y a plus beaucoup de T2 en ligne de défense. Et surtout, bon, bah, on a déjà eu le combo à la. On a déjà vu le combo à l'œuvre. Hein. Gorilla arrive, il mine l'ulti, il force tout le monde à reculer. Et derrière, on vient sécuriser la tour. Et je suis pas sûr que Fly revoie rapidement sa Thalia. Hein, parce que ses ultis, ils ont été à chaque fois archi. Il est trop fort. Il est trop fort sur Thalia. Il est partout. Après il y a 10 bans maintenant. Hein. Ouais, il y a 10 bans, mais bon, tu peux pas tout ban. Hein. Parce que derrière, si tu laisses. Ouais, mais ça tombe bien parce que Fly est pas forcément un joueur avec un pool de champions extensif. Enfin, on connaît sa catégorie. Thalia, mais... ouais. Aurelion Sol, Lissandra, Thalia. Bon, c'est des champions qui lui conviennent. Pour le reste, j'attends d'être convaincu. Mais peut-être que du coup, il va y avoir un changement côté Samsung. Parce que c'est vrai que sa Thalia fonctionne bien. Après, là. Voilà, il y a Bididi qui attend aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant qu'ils aient le choix à ce point en fait, les Longzhu. Parce qu'ils ont deux joueurs de mid qui ont vraiment des profils hyper différents. D'ailleurs, voilà, 4 Thalia, 100% de win rate, 14 de KD l'année dernière. Il a joué quoi d'autre l'année à part des Victor, Zilean, Zilean, c'est vrai, son Zilean. Vlad, Varus, Malzahar, Azir. Ouais. Mais pour un Azir, par exemple, on fait rentrer Bididi. Je pense que Bididi est un meilleur investissement en tant qu'Azir, ouais. Mais effectivement, Fly, Lissandra, ça, j'avais oublié son Zilean. Mais ouais, plutôt Lissandra, Thalia. Après, il poke très très bien cet inhibiteur. Et on va lâcher l'ulti de Rengo, l'ulti de la Thalia. Voilà, l'objectif, c'est juste de récupérer les objectifs neutres. Et le dernier qui est un petit peu loin. On va continuer, le push qui va arriver sur cette mid lane, le poke de Fly sans arrêt, sans interruption, il est toujours en train de venir faire du poke. Le rappel de Rideau, on va sécuriser cette tour, la rentrée de Singe qui se fait retourner et renvoyer avec l'ulti Poppy. Expression qui fait parfaitement prêt et qui va réussir à sniper la Zaira de Core JJ, le deux inhibiteurs qui tombe, 16-5, on a 10k gold écart. Allez, c'est une leçon là qu'ils sont en train de donner les Longzhu au Samsung. Hein. Tout le monde joue très très bien. Ouais. Il y a rien à dire, ça marche, ça fonctionne. Il y a un beau jeu d'équipe, c'est juste mécaniquement. Ça fait trop peur la Corée cette année. Ouais, ça fait trop trop peur. C'est impressionnant. Et voilà. Et le truc c'est qu'en une rotation ils prennent 3 inhibles. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit bon Longzhu, mais vraiment il m'impressionne. Ouais. Alors je sais pas si la draft leur est favorable, mais en tout cas ouais, cette game elle est vraiment vraiment impressionnante. Mais Crash a un personnage top tier qui peut carry, c'est parfait pour lui. C'est comme quand l'année passée tu laissais Nida par exemple, c'est quelque chose qu'il fallait pas faire parce qu'il détruisait des matchs à lui tout seul. Je pense que un de ces matchs de Nida de l'année passée, je sais plus contre qui il joue exactement, mais pour moi c'est un des matchs de l'année pour une Nida. Non. C'était juste... impressionnant. On en a parlé, hein, c'est vraiment la méta et la physionomie de l'équipe. Expression à l'aise sur des tanks, Crash à l'aise sur des junglers qui carry.
la duo lane. Et on lui laisse un des meilleurs jungler carry. En plus, donc c'est Rengar ou Lee Sin. Tu peux mettre Nocturne aussi. Samsung qui a peut-être perdu la bataille de la jungle, effectivement, ici. Parce qu'Ambition est... Bah, ça s'est fait, la duo lane. Ça s'est fait, la domination de Prey et Gorilla, qui ont offert des opportunités, qui ont permis au Rengar de récupérer des kills. Ça, c'est le problème du pick Zyra. Hein. Les équipes ont tendance à vouloir pick justement ce champion parce qu'il est dominateur en lane. Et ça marchait bien l'année passée. C'est vrai que ça marche toujours bien. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a vraiment beaucoup de combinaisons qui existent pour casser la dynamique de Zyra. Et les junglers n'ont qu'à venir se servir quand une Zyra est au bot et n'a plus de flash. Et quand t'as un Rengar, ben voilà, ouais, il enchaîne. Et après, t'as un champion qui one-shot la plupart des picks adverses. Et quand t'as plus de T1, ça devient ingérable, en fait. Ouais, je pense que la domination en duo lane a vraiment cassé toute la draft des Samsung. Et puis il y a aussi un truc par rapport aux Worlds, c'est que Kyuvi peut pas rentrer et tuer trois joueurs avec un Kennen quand il joue une Poppy. Donc ça change beaucoup de choses, mine de rien, cet apport en dégâts. Crown, il fait ce qu'il peut avec son Victor, mais derrière, en fait, il joue une compo qui est un peu full squishy avec une frontline un peu inutile, parce que en fait, Expression, il deny complètement le pick de Poppy. La Poppy, elle peut pas s'exprimer, parce qu'il y a toujours plus ou moins une tour à wave clear, et donc il n'y a pas cette capacité de flanking. Il n'y a que des squishy qui se retrouvent avec une MF Jhin, Talia, Rengar. Donc il y a toujours au moins un pick qui est fait, ils sont tout le temps en infériorité numérique. Donc peut-être avec une autre draft, Samsung pourra s'en sortir dans la game 2, mais là Longzhu a vraiment fait une démonstration. Ouais. Puis bon, là maintenant c'est trop tard, c'est trop snowball. Tika Gold, 3 inhib. Bon, je sais pas trop pourquoi ils mettent en pause, mais ils mettent en pause. A priori, il y aura 1-0 pour Longzhu. Ouais, j'attends. Alors autant Longzhu est très bon, mais effectivement Samsung, ça me ferait mal au cœur de les voir se prendre un 2-0. Et moi je pense que maintenant, en fait, c'est avec le nouveau système de pick et ban. C'est très dangereux d'investir sur Zyra aussitôt. Ou alors, oui, tu fais tes bans en conséquence. Mais c'est vraiment très très dangereux. Bah, comme l'ont fait les... Attends, c'était KT contre... Ouais, comme l'ont fait les Rocks. Ils ont pris Zyra, mais ils ont dû ban Jhin, Varus. Et ils ont pick Ashe. Ouais, faut sécuriser tout en pack. Après, voilà. Sincèrement, entre nous, est-ce que ça vaut le coup pour avoir une Zyra d'investir dans autant de bans? Bah, si le Zyra H tout à l'heure, c'est ça qui les a fait tenir. Pour moi, genre dans la méta actuelle, je suis pas sûr que ça vaille le coup d'investir autant de bans dès le début sur des supports pour essayer de casser le fait que Zyra se fasse tuer ou pas. À la limite, t'investis dans Zyra en ta deuxième partie de draft où là c'est moins coûteux, mais au début. Mais je pense autant que c'est pour moins récupérer une Zyra, à sécuriser un jungler qui est top tier, ça fait une bonne combinaison. Tu tapes pas peut-être. Mais là, justement, pour moi, les bans devraient plus être sur la jungle, tu vois, actuellement. Enfin, plutôt que d'investir dans beaucoup de bans support pour essayer de maintenir ta Zyra en vie, franchement, ça sert à rien. Des picks qui font comme Zyra actuellement au bot, il y en a plusieurs. Hein. C'est un bon pick, mais pour moi, ça vaut pas toute une stratégie de draft. En début de partie, il y a trop de trucs ouverts à côté. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus. C'est hyper... En fait, ça vaut pas le coup. Zyra, c'était très fort parce qu'on était aussi dans une méta où il y avait énormément de picks à éliminer sur la mid lane, énormément de picks. Il n'y avait que 3 bans, énormément de picks à éliminer dans la jungle. Tu temporisais sur les charges de Olaf un peu débile. Et tu savais que de toute façon, personne... Enfin, tu pouvais prendre Zyra un peu en blind au début. C'était un priority pick parce que derrière, de toute façon, l'équipe adverse allait se ruer sur d'autres choses. Là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de counterplay et que c'est plus un personnage que tu peux prendre un peu comme ça à la légère. Surtout que tu bannes pas MF et tu prends Zyra contre l'équipe qui a inventé compétitivement le contre. Moi, c'est plus ça aussi, enfin contre la duo lane qui compétitivement a massacré SKT, les champions du monde actuel. Les deux seuls games qu'ils perdent contre les Rocks Tigers, c'est quand ils se font contrer cette Zyra par une MF. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. C'est aussi, bon, certes, il y a la draft, mais il y a surtout le contexte. C'est que, y a les meilleurs joueurs du monde ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ça manque un peu de lucidité du côté Samsung, effectivement. Et j'en profite, messieurs, pour saluer Duke qui nous regarde. Salut Duke. Et il disait, justement, ils se font counter sur deux lanes, ils n'ont pas la prix au mid lane, tout en donnant le champion le plus OP de la méta dans la jungle. Et en plus, ils sont red side, où c'est beaucoup plus facile de draft. Voilà. Voilà, c'est fini, c'est pété. Merci à toi Duke pour ces analyses. Duke, à qui on envoie bien évidemment nos salutations et nos meilleurs vœux pour 2017. A priori, Duke, tu vas rater un superbe GOTS lundi. Ah, c'est vrai ? Tu fais un GOTS lundi ? Ouais, bah, je suis pas là lundi, j'ai mon cours à la fac et tout. A priori, on introduit peut-être Twix et Domingo au GOTS. Ouais, ah ouais ? De nouveaux joueurs. J'ai un collègue au bureau qui joue, c'est son jeu préféré. Et il a dit à chaque fois, je joue avec des gens qui sont nuls. Et donc, du coup, je m'ennuie.
J'aimerais jouer contre des gens forts. S'il est sympa, tu le ramèneras, on le détruira. Ouais, il est pas mauvais. Hein. On le détruira. Bref. Bref, mais on attend en fait cette fin de pause. Je sais pas pourquoi il y a une pause à 3 inhibiteurs pétés, parce qu'il y a moins de surrender, il n'y a pas grand chose à faire. Après, si un joueur peut pas du tout jouer, bon, c'est quand même embêtant. Est-ce qu'on a une petite information sur les raisons de la pause en régie? Aucune information n'est à déclarer pour le moment. Merci bien. Merci pour ces non-précisions. Non, mais alors, c'est un petit nouveau l'AREA. Au moins, lui, il nous répond encore. Non, mais il nous répond. Il est super concentré, c'est un truc. Sinon, et t'as, sinon t'as un bruit de roue dans le casque. Ouais. Quand c'est quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose je sais pas. Là, c'est quelque chose. Nous n'avons pas d'information pour le moment. Merci. C'est super. Ces nouveaux réalisateurs sont bien. Ouais. Puis après, ils perdent leur flamme. Ouais, on les use. C'est ça, on extrait la substantifique moelle de personne pour ne laisser finalement que des robots qui appuient sur des boutons. Complètement par exemple, Rambo, ça va briser. Hein. Et excellente remarque sur le chat. Selon ma mère, ce qui se rapproche le plus des commentateurs de LOL, ce sont les commentateurs de PMU. Parfait. Excellent. Mais on j'ai toujours rêvé de commenter du cheval. Hein. Ouais, pareil, moi, le cheval, les chevaux, c'est ma grande passion. Des sensations bien. Le cheval, c'est génial. Surtout en steak, en bavette. Le goût de la viande de cheval. J'ai jamais encore mangé du cheval. Mais mec, je sais. Il y a une boucherie chevaline à côté. Ah oui, c'est à 10 minutes à pied. Ah là là là. Ah ouais, c'est vrai que j'en ai en bas de chez moi aussi. On peut se faire ça. Ouais. On est encore plus proche, oui. Ouais, moi je suis vraiment juste à côté. Ouais. Donc, si les gens ont des questions, bien sûr. N'hésitez pas, on n'a pas d'informations. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur la Corée, mais bon, sachant que c'est censé recommencer d'ici peu, voilà, on ne sait pas trop par quel bout prendre la chose. Adressez vos questions au référent Chips, référent Corée. Il y a Ayam Nachimis qui demande, le jeu God, c'est celui où il faut prendre le plus de châteaux? Oui, tout à fait. C'est celui-là, avec les petites pastilles qu'on retourne au début des rounds. D'où on lui a mis, c'est de là d'où vient, il s'est pris une pastille. Évidemment. Ouais. Ah, alors il y a des gens qui disent placement produit, donc oui, nous avons été payés par des chevaux pour en faire la promotion de la viande. Évidemment. J'ai jamais joué au PMU de ma vie. Demain, c'est steak de licorne. Exactement, demain, c'est la licorne. On a été payés en corne. Alors, nos favoris pour l'LCS, c'est jeudi. Demain 100% comestible, oui. Justement, où nous allons nous donner, parce que moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, t'as pas fait les LCSNA, etc., t'as pas fait la Corée sur ton ranking. Alors j'ai fait les Europes en live, et bon, on va tous faire notre et on va tous faire live. Le ranking ensemble en live. Chacun 100% comestible, exactement, ce sera, et même vous pourrez faire votre ranking. Je suis raison, volume 100% comestible, donc ce sera 3 heures de mauvaise foi avec chacun qui défend son point de vue. Alors il y a plein de questions. Alors, pour la pause, apparemment, le client de Fly... Ce serait envolé. Voilà. Jean Blaguin, oui, humoriste. Donc voilà, on attend qu'il redémarre le client de LOL de Fly. Après, on pourra repartir dans la game. Alors, vous pouvez nous dresser le profil de BDD un peu, parce que vous avez parlé de la champion pool de Fly. Mais je ne connais pas trop BDD. Alors, BDD, il est arrivé l'année passée chez CJ Entus. À la fin du Spring Split. Effectivement, comme l'a dit Noah, il était un peu auréolé de cette hype, un peu nouveau talent coréen, peut-être next faker, jeune, etc. Voilà, jeune prodige de la solo queue, moins de 17 ans, donc pas encore assez vieux pour jouer. Et c'est un joueur qui, normalement, il s'est fait connaître pour 3 picks, son Z. Ça, Leblanc et son Azir. En fait, c'est un joueur assez polyvalent, mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a un style de jeu qui va beaucoup jouer sur l'outplay. L'outplay en 1v1, c'est un joueur qui est fan, il va toujours... La difficulté mécanique ne lui fait pas peur. Il est capable de proposer les exécutions les plus dures qui se font dans League of Legends. Ce qui lui manque, c'est peut-être justement un peu de retenue par moment, mais en même temps, c'est ce qui fait son profil pour moi. Bah, il est jeune. Pas. Parce que même Faker meurt souvent en tentant des choses. Mais il a la justesse qui fait que BDD pourrait atteindre ce style de jeu. Alors après, atteindre celui de Faker ou pas, bonne question. Mais dans l'idée, c'est un peu le même genre de profil. Donc un joueur aggro qui va tenter les outplays mécaniques et qui a un pool de champions assez diversifié parce qu'il est très doué. Bon, on attend en fait... C'est le moment où on attend que le bon coach peut-être ou la bonne équipe lui donne les bonnes bases. Peut-être qu'il lui manquerait au niveau compétitif parce qu'il est extrêmement jeune et qu'avant de rentrer en LCK,
bah, finalement il était parfois, talent pas solo les gens queue, qui solo queue. Tendent la main où on ne peut pas, où on est seul chez soi. Exactement. Parfois on trouve pas le miroir qui vous aide à avancer, hein. C'est quelque chose d'assez connu, donc c'est vrai que voilà, un bon coach, une bonne rencontre pourrait transformer. Ah oui, effectivement, pour Kazama Bomber, il y a une vidéo il y a pas longtemps du Z de BDD contre le Echo de Faker. Et oui, effectivement, BDD a pris la sauce. Ouais, il a seulement pris la sauce. Alors qu'il a l'avantage de langage, de la vision et qu'il poque, un quart des points de vue de Faker au début. Oui, mais bon, hein, y en a qui ont essayé. Des ouais. Types qui tiennent vraiment Faker mécaniquement, y en a pas énormément. Il y a Dopa, Crown. Ouais, enfin, de temps en temps, Dopa, encore une fois. Bon, en solo queue, il le tient. Ah, oui, mais le jeu n'est pas une solo queue. Pour 99,999% des joueurs, si, mais nous ça ne nous intéresse pas. Non. Voilà. Tu peux demander aux gens. Pensez-vous que New Deck sera un poids pour Vitality, messieurs? Moi je pense que oui. Parce que je vois pas en quoi il se révélerait. Tous les autres joueurs. On a un vrai problème en fait avec New Deck, c'est qu'on a eu beaucoup de promesses. C'est un peu l'histoire de Pierre et le Loup. Il est très bon en scrim. Non, arrête avec cette blague. Tu vas arrêter, donc ça va. Je suis désolé. Nous, tous les 6 mois, normalement, on fait un roulement de nos blagues. Je mets ma fiche. Je mets ma fiche, voilà. Ah, parce que Noah a fait des fiches. Et d'ailleurs, hier soir, t'as pu les faire ou pas, tes fiches? J'ai mis du temps. Ça a été difficile de te remettre en route, je comprends. Voilà, c'est écrit. L'homme qui était bon en scrim. En même temps, c'est qui l'a écrit, cette fiche. Désolé, c'est merci. Sur la fiche. Donc, c'est sur ta fiche que j'ai. C'est écrit. Regardez, hein. C'est là. J'ai appuyé sur un clavier et j'ai fait ma blague sur un doc Google. Du coup, ça donne une légitimité si écrit, au truc. C'est vrai. Ça, exactement. Dans les grandes tablettes d'or. Bah oui, bien sûr. De 100%. Quand notre civilisation sera détruite et que nos ancêtres, nos futurs descendants, ouais. Les gens dont nous serons des ancêtres, c'est ça, voilà, que tu voulais dire. Exactement. Voilà, exactement. Nos descendants, du coup. Eh bien. Alors, une question sur la dual lane des H2K. C'est vrai, et coréenne. Bah, je sais pas trop, justement, c'est la grosse question. H2K, tout le monde dit tier 1. Leur dual lane, c'est. Rappelle-moi leur dual lane. C'est. Attends, je vais te dire, parce que j'ai encore. Enfin, c'est Noah le référent. Hein. Ah oui, mais moi, je suis encore en train de faire mes fiches. Hein. N'hésitez pas demain, jusqu'à mercredi, jeudi. Demain, j'ai encore 24 heures. C'est quoi déjà? C'est Chey et Nuclear. Ah ouais, c'est Chey et Nuclear. Ouais, donc Nuclear, ancien Sbenu. C'est ça. Et Chey, ancien Genia Green Wings. Ouais, il jouait chez Jag, ouais. Ouais, donc c'est pas une dual lane qui avait forcément des automatismes compétitivement, étant donné qu'ils étaient pas ensemble. C'est pas le meilleur carry AD coréen en termes de potentiel. Pour moi, même si Nuclear était intéressant, son équipe avait toujours du mal à finir des games. Les bonus, c'était compliqué. Hein. Mais en early, il est assez bon. Et Chase, c'est un joueur qui parfois provoque des bans, notamment. Enfin, c'est arrivé assez souvent qu'on lui banne son. Bard. Son Bard, ouais, voilà. Donc, sur le papier, il y a un potentiel. Reste à voir l'entente avec l'équipe, la communication, anglais ou pas anglais, ping. Je suis vraiment pas ping. Hypé par Nepesh Touquet, moi. Je suis vraiment, vraiment pas hypé. J'aurais plus tendance à jeter un coup d'œil du côté de UOL. Vitality, qui à mon avis peut être très sympa. Bon, le fait qu'il y ait 3 français aussi aide un petit peu. Misfit, ça a l'air fort. Misfit, oui. Enfin, j'attends tout de même que Kakao sorte de son année d'hibernation en Chine, de ses 2 années d'hibernation en Chine. Mais je pense qu'un Kakao moyen. Je pense qu'un Kakao moyen gagnera quand même. Il y a du niveau en G2 aussi qui va être fort. G2 ça va être fort. Bah, Fnatic ça va être fort. G2 ça va être fort. Misfit ça va être fort. Splice, Vitality, IOL ça va être fort. Et Shtuke, je pense tout de même que ça va être fort. Je pense que Rocket c'est pas si mal. Giants non plus. Et je pense que Origin ça pue la mort. Ouais, enfin Rocket Giants c'est déjà pas terrible. Hein. Franchement, il y a pire. Il y a que Origin quoi en pire après. Ouais, Pas dire Origin. Ouais. Après, voilà, chez Rocket, il y a Wadid. Hein. Bah, si Yarnan a insisté pour qu'il vienne. Ouais, Yarnan, c'est pas non plus ma référence au puzzle. Il était bon en teamfight quand il était bien ça cover. Ça va, Yarnan, il y a pire. Si, non. Ça va, quand il est pas bien cover. Je dis pas que c'était une up excellente, mais je dis ça aurait pu être pire. Tu peux pas dire dans un essai qu'il est bon si jamais. Si, dans une situation où il est pas trop mis en difficulté, ça allait, tu vois. Oui, c'est prendre Jin, il fait clic droit, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Je le trouve très sévère. C'est comme NL. Voilà. Il avait une grosse civière. Apollo aussi, hein. Alors ça va. Ça commence à fatiguer là, cette discussion. Forgiven aussi, il y a une vidéo il n'y a pas longtemps où il était à 0-4 en 4 minutes de jeu. Incroyable. Bah, des vidéos, on peut vous l'avez vu ou pas? Non. Il se fait chiser 4 fois d'affilée par un Blitzcrank Ezreal.
Ah, c'est l'enfer, ça. Exceptionnel. Il meurt 4 fois en 4 minutes. Mais c'est incroyable. Ça, c'est les games du titre et tu peux rien faire en plus. C'est juste, ça arrive. Voilà. De temps en temps, tu lances une game, tu te fais cheese 3 fois ou 4 fois par un blitzcrank et puis tu perds ta game. Alors, le mode de draft en LCS reste le même. Non. Le mode de draft passe pour toutes les compétitions en 5 bans et 2 phases de ban et de pick et 10 bans en tout. Donc voilà. À part en solo queue, apparemment, ils hésitent. En fait, et ils vont peut-être mettre du temps avant de l'implémenter. Mais ils ont raison, Riot, de faire cette différence entre pro plays et solo queue. Oui, moi j'ai vraiment raison en fait. Comme ça, les gens vont arrêter de péter les noix à tout le monde avec le ranking en solo queue. On verra bien que c'est deux disciplines différentes. Ah, c'est complètement différent. Oui, mais les gens veulent pas le croire. Donc maintenant, au moins, il y aura des arguments concrets pour dire que c'est pas la même chose. Et pour le format du tournoi, ben c'est deux poules de 5 qui s'affrontent alors à l'intérieur de la poule 2 fois chacune et d'une poule contre l'autre 1 fois chacun. Si vous regardez Fade in China l'an dernier, c'est plus ou moins le format. Voilà, non, c'est ça. Voilà. Avec 5 au lieu de 6. Et avec la semaine qui crosse. Voilà. Voilà. Où on aura des matchs le dimanche. Une semaine sur 3, quelque chose comme ouais, ça. C'est ça. Ouais. Il y a 3 par split, il y a 3 dimanches. Ouais. Non, sinon, ce sera jeudi, vendredi, samedi, et donc parfois dimanche. Mais seulement jeudi, vendredi, samedi cette semaine. Et ça commence à 16h le pré-show. C'est 16h le pré-show demain, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et très 17h, bien, 16h30. Hein. 16h30 le pré-show. Ah, je fais une belle journée demain encore. Non, mais c'est pas demain, c'est jeudi. Jeudi. Ah, jeudi, ouais. Ouais. 16h30 le pré-show parce qu'on parle déjà de pas mal de choses en 100% ouais. comestibles. Oui. Oui, c'est vrai que ceux qui auront vu 100% comestibles auront eu le ouais. pré-show qu'il faut. Oui, d'ailleurs, on peut parler du problème de 100% comestible, non? Oui, ben, on va, on en a parlé. C'est écouter un petit peu chips. On non, mais en même temps, je guette des questions et tout, genre. Après, enfin, les gars, si vous voulez monter des meubles Ikea à deux, je peux vous laisser. Hein. T'as raison, laisse-nous. Ouais. On viendra t'aider le jour où tu seras en pause. Hein. Mais je fais que ça, là, vous aider. Bah oui, je vois ça. Vous êtes inapte à parler de la Corée, donc je le fais. Que pensez-vous du mode bac à sable? Très bien, enfin. Enfin, super. Un, t'imagines? Je sais pas ce qu'aurait été par exemple le milieu du versus fighting si les mecs n'avaient pas eu de mode training. Et vous avez des vous avez vu les vidéos qui commencent à sortir de justement de mecs qui testent des trucs sur le mode bac à sable qui auraient pas été possible avant et tout. Enfin. Ouais, enfin, mais ça en va fait, changer on va connaître les limites du jeu, les. Bah, le théorie crafté. Voilà. Non, mais t'imagines un jeu de versus fighting, tu prends un Street Fighter et tu mets pas de mode training, tu fais comment juste pour t'entraîner à tes combos? Je m'entraîne sur Ita. Oui, bon, il y a Ita, mais. On peut avoir des sparring partners. Ouais, des sparring punching ball, ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper important pour tester des trucs un peu advanced. Alors messieurs, ça demande l'évocation de Fnatic. Fnatic, c'est quoi? Des quoi les? Bah Fnatic, les gens veulent savoir un peu. Non, on répondra à rien sur Fnatic jusqu'au moment où Fnatic jouera. C'est le petit jeu, moi j'ai décidé de rien répondre pour que justement tous les fans de Fnatic aient un peu le seum. Non, est-ce que tu suis la tendance de Zab ou est-ce que tu décides de rejoindre le côté obscur? En fait c'est une discussion sans fin avec une personne toutes les 5 minutes qui se connecte et qui demande. Donc à la limite on peut y répondre une fois. Mais Fnatic ça va être... C'est mieux de jamais y répondre. Comme ça tu oui, mets tout Fnatic, le monde en PLS. Fnatic ça va être bon, ils ont prévu un très large roster, il y a du moyen. De toute façon maintenant il y a une expérience et une expertise chez Fnatic qui se fait pas ailleurs. Les premiers chuchotements d'Escrime disent que effectivement ça va être une équipe à prendre au sérieux. Il y a le retour en plus de Soaz, peut-être dans une des équipes qui l'a, dans l'équipe même peut-être qui a vu son ascension à ce célébrissime top laner français. Donc non, il y a beaucoup plus de hype cette année dans la ligue que l'année dernière. Ce que disait je ne sais plus quel joueur européen, enfin bref, il disait qu'en Corée et en Europe, il y avait beaucoup de bons joueurs, mais ils étaient beaucoup plus éparpillés, et que maintenant, on a vraiment concentré des grosses line-up avec des gros talents ensemble. Il y a un moment où l'écrémage se fait, en fait, naturellement. Enfin, je veux dire, certains joueurs, ils ont leur chance, et maintenant, on voit qu'en fait, c'est des mecs qui sont plutôt voués à jouer en Challenger Series, tu vois, quasiment indéfiniment toute leur vie. Enfin, pour moi, il y a certains mecs en Challenger Series, ils sont bons, hein. Et le fait est qu'ils viennent des LCS, donc forcément le niveau des Challenger Series va augmenter. Mais je pense qu'il y a certains joueurs que tu laisses en Challenger Series, en fait, même si tu montes. Ouais, je pense. Quelques soupçons de pépites en Europe qui ont été annoncés à droite à gauche, hein, pareil, dans toujours les résultats scrims. Alors c'est toujours pareil, parce qu'il y a des joueurs, c'est leur vraiment première grosse expérience de la compétition. Donc on en connaît des joueurs qui, sous la pression, ont réussi à s'épanouir. Mais après, il y a des indices où, quand on entend des coachs ou des gens nous en parler, ils ont fait, bon, ben, lui, par exemple, Xerxes, ouais, le jungler des UL, le bruit court que c'est un monstre. Ouais.
il supposerait aussi que Exilé maintienne son niveau de performance. Oui. Okay, ça, donc, voilà, c'est des petits insights, mais ça, il faut être là. Tout ça, on va en parler demain dans 100% comme est cible, joueur par joueur, équipe par équipe, région par région. On va faire le classement. Voilà, donc vous saurez à peu près tout ce qu'on sait sur chacun des joueurs. Alors, que se passe-t-il si Fnatic Academy passe en LCS ? Mais ils vendent leur line-up. Ils vendent leur ils line-up. Vendent la line-up. Parce moi, qu'en gros, ou alors ils vendent la line-up principale de Fnatic. Ouais. Ah, ils ont le choix. Ils ont le choix. Ouais. Et dans ce cas, ils renameraient Fnatic Academy en Fnatic. Bah, je trouve qu'en fait, c'est le. C'est la dernière fois qu'on peut faire ça. Ouais, c'est la dernière fois. Parce que c'est le power leveling high level. Tu montes des line-up en LCS, tu vends le spot qui maintenant est chiffré entre 1 million et 1,5 million à la revente. Et tu fais ça en permanence. Et on va repasser enfin dans la partie. Toujours première game entre Longzhou et Samsung pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec en plus, c'était vraiment. Ah, c'était la fin. C'était le finish. Hein. Voilà. C'est fini. C'est terminé, c'est fini ce pété. Là, il y a des milliards de sbires qui viennent s'écraser sur la base. Prêt, qui fait son petit doublon. Regardez les tours qui tombent. Expression qui zone. Oh là là. C'était un massacre hein, cette partie. Les Samsung, ils ont pas eu leur mot à dire sur le déroulement. Hop là, le kill. Et c'en est fini. Du coup, on va pouvoir. Je regardais un peu les compos NA. Il y a vraiment des compos. Il y a des line-up qui sont Dignitas, exceptionnels. Dignitas, ça va être exceptionnellement drôle les NA cette année. Ce qui serait génial, c'est que Sumder n'arrive pas à s'intégrer, qu'il soit remplacé par Chris. Ça pour moi, c'est la meilleure storyline qu'on aurait jamais eue. Chris qui rentre à la place de Sumder à la top lane. Je saurais pas quoi dire. Avec Lodic Special, enfin une duo lane infect. Ça me rappelle les Impulse, tu te souviens, où il y avait Xiao et Xiao, Rush, Impact. Et après, ils avaient Apollo et Adrian. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bon, bah, c'est quand même une très mauvaise performance pour Samsung. Mais pour moi, ça part d'un point. Quand t'as un Rengar en face, joué par un mec comme Crash, tu dois faire en sorte de le contrer. Ambition avait Lee Sin. En général, c'est ça. De toute façon, les games où Samsung est insipide, c'est des matchs où Ambition est invisible. Exactement. C'est pas compliqué. Ouais, Ambition qui doit absolument. Pourtant, il avait Lee Sin, mais voilà, je pense que le mieux, c'est d'avoir pick Lee Sin. Il a tenté une invade, il s'est fait chasser. Et derrière, il a rien fait. Ouais. Et il a failli, il s'est fait invade après par Crash. Il a failli tomber là au niveau du bot. Donc vraiment, c'est une game à oublier pour Ambition et il n'a pas tout joué son rôle d'électron clutch. La draft. Ouais, la draft, est, chat, la draft est gênante, tu vois, mais comme il n'a rien fait avec Lee Sin. Déjà, la draft n'est pas bonne. En plus, contre peut-être la pire équipe contre qui faire ça, en tout cas la pire duolaine contre qui faire ça, on va essayer de gommer ça et on va espérer qu'il y ait une égalisation pour qu'on voit l'étendue des capacités de chaque équipe. Ce sera après une page de publicité sur Gaming Game 2, Longzhou contre Samsung. A tout de suite. 스타워즈 최초의 실시간 대전 모바일 게임. De retour pour une balle de match pour Longzhou dans ce premier BO3 de l'équipe de la saison contre Samsung. Samsung qui est passé peut-être un petit peu à côté de sa draft, qui a été bousculé sur sa duo lane et qui dans la foulée s'est bien fait snowball méchamment. Il s'est fait retourner. Crown, il est resté toute la game sur sa mid lane. Il n'a pas trop pu bouger, il a pris un peu au farming, mais bon, je pense que quand ils sont rassemblés les Samsung pour essayer de fight, c'était déjà un petit peu trop tard. Le problème, c'est que c'était une tourelle de défense finalement, Crown, dans ce match. À côté de ça, il avait la Talia qui est super mobile, qui a les bots, qui a les top. Talia de Fly, on avait prévenu. Hein, c'est... Ouais, ouais, et le souci en fait de la draft des Samsung, c'est que c'est une draft qui était vraiment peu mobile pour répondre aux capacités d'agression de Talia et de Rengar. Et bon, ça, à la limite, voilà, c'est la caractéristique de la draft. Mais à la base, ils n'ont pas réussi à s'imposer en early game. Je pense que c'était vraiment important. Quand tu laisses un Rengar développer son jeu, qu'en plus tu te fais counter jungle en tant que Lee Sin, t'as le droit de te dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et que la suite sera forcément difficile pour toi. Et encore, pareil, leur duo lane a galéré. Il s'est pas mangé le first blood au moment où le Rengar a invade. Ouais, hein, c'est joué à il aurait dû, un pixel. Oui. Il aurait dû parce que Crash fait le mauvais choix. Mais ouais, et je pense que s'il se passe ça, c'est encore pire en fait. Mm. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Ils peuvent pas se permettre d'avoir un jungler qui est en difficulté s'ils veulent prendre des lanes qui sont un peu récessives. Donc, ils doivent avoir un jungler qui est dominant à ce moment-là pour pouvoir intervenir.
Donc ça va être de rééquilibrer, soit de rééquilibrer les match-up de lane, soit de rééquilibrer le match-up jungle en prenant, en faisant simplement un ban sur Rengar qui est vraiment très très fort actuellement. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a de la place pour les Samsung et puis de trouver une place pour Ambition parce que bah, en fait Expedition avec son Singed, en fait tu sais quand t'as un gros joueur de Singed en face, t'as une réponse pour tous les gros tanks, absolument tous. Et c'est, en termes de draft, c'est très déstabilisant. Tu dis toujours, ah ouais, en fait, normalement, Poppy, c'est top tier, mais pas s'il y a un Singed en face. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de Singed dans le monde. Non. Et que c'est vrai, quand tu tombes sur un, c'est vraiment une épine dans le pied. Et c'est quelque chose que le coach, justement, de Samsung doit trouver. Et en plus de ça, il était sur un build infâme, hein, finalement. Enfin, en tout cas, pour l'early game, puisque les sauts noirs décuplent donc le fonctionnement des potions. Et après, il est parti sur potion de corruption, donc voilà, t'es face à triple saut noir et potion de corruption. Et les 300 de mana, c'est énorme, hein, 300 de mana. Même le sustain pur. Le sustain pur, ouais, mais sustain, c'est 25%, mais c'est un passif unique hein, de mémoire. Non, ça cumule. Ah, c'est cumulé. Ouais. Donc j'étais persuadé que c'était unique. T'es à 175% d'efficacité de tes potions en fait. C'est additif ou c'est multiplicatif? T'es additif. T'es à 175. 175, ouais, donc forcément, avec la potion stackable. Tu peux pas trop le sortir de lane. Non. Et c'est vrai que c'est un des rares personnages qui, en fait, il jouit de toutes les stats. 300 points de mana, 45 d'AP, ouais. Et 75% d'efficacité des potions en plus. Il y a le passif, ça lui fait des PV. Donc ouais, le build était très intelligent de sa part. Et du coup, mais il faut trouver une solution. Après, peut-être que ça va devenir méta. Tu sais pas hein, si jamais les tanks sont trop forts. Singed, c'est bon. Singed actuellement, c'est méta. Ouais, non, mais c'est même un très bon anti-tank puisque Trundle, j'ai l'impression, est un peu moins fort. Trundle, on en voit en support rarement, mais dans la jungle, c'était la grosse solution autant. Tu peux en voir contre Poppy, mais bon, problème c'est que, je pense que si par exemple t'essaies de le gank avec les junglers en vogue du moment comme Lee Sin, comme Rengar, comme Nocturne, par exemple, un Singe qui proxy, honnêtement t'es pas sûr de le tuer parce que c'est tellement mobile, t'as pas beaucoup de contrôle non plus. Donc tu peux faire des choses là où un Trundle pour s'escape, si tu te fais agresser à ce point là, t'es un peu à poil au milieu de ta ligne, tu mets un pilier, tu mets ta zone, mais c'est pas un Singed. Et on va rentrer donc dans la deuxième draft de ce BO3 Longzhu contre Samsung Galaxy. Il y a un changement là. Chez Samsung. Ambition remplacée après sa mauvaise perf. Wow. Et ouais, c'est dur quand même parce que c'est un premier match, mais on sait que tous les points valent cher maintenant en LCK. Par Haru. Non, ancien Sigentus. Qui avait repris le flambeau de Bubbling. Et ça avait été un ajout supérieur à Bubbling. Parce que Bubbling était vraiment le pire jungler de LCK passée. Ouais, ça marchait pas du tout. Hein. Après, Haru, sincèrement, il évoluait dans un navire Sigentus qui était à la dérive et qui a littéralement sombré en étant relégué en Challenger Series Corée. D'ailleurs, ils ont gagné leur premier match, leur premier BO hier. C'est bizarre quand même historiquement de Sigentus soit en... Ouais, mais on va voir, hein. Peut-être que c'est ce qu'il leur fallait après la déliquescence des dernières années, peut-être repartir de zéro et reconstruire sur des bases saines. Donc voilà, Haru, Transfuge et Sigentus pour ces Samsung Galaxy. On avait dit que l'équipe n'avait pas été modifiée, en fait voilà, il y a eu ce petit ajout en termes de sub, mais à part ça, ça n'a pas beaucoup bougé hein, du côté des Samsung Galaxy. On a vraiment privilégié la continuité. Ils ont toujours Vrest normalement. En sub est pareil. Est-ce qu'il va beaucoup rentrer? Stitch en AD, pareil qu'on voit pas souvent. Non, on le voyait surtout au Spring 2016. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que sur la mid lane, ça a pas bougé. Non. Il y a peu de chances qu'il recrute quelqu'un. Il y a peu de chances qu'il le change. Et QV, ils ont pas de remplaçant pour lui actuellement, donc il bougera pas non plus. Oui, et puis c'est une valeur sûre. C'est Crown et QV. Enfin, qui voudrait changer ces deux joueurs-là? Moi, QV, c'est peut-être ma révélation. En Corée 2016, bien évidemment, Crown c'est beaucoup plus illustré. En plus, il a la chance de se poser à Faker. Crown, on savait qu'il était fort QV. C'est vraiment, alors même s'il n'était pas tout neuf, c'est le moment où il s'est un peu plus révélé chez Samsung, effectivement, avec un excellentissime Summer Split. Et des Worlds stratosphériques avec des prestations quasiment. Enfin, une régularité dans les prestations, un petit peu indépendamment du match-up. QV en Summer Split et en play-off, c'est lui qui carry Samsung. Point. Et les emmène jusqu'en finale des Worlds. Mmh. Hein.
Donc voilà, changement du coup pour Haru. Ouais, et maintenant, bah, on va voir s'il va réussir à imposer un peu plus son style à Crash, qui a pu dérouler sur le match précédent. Bah, c'est un gros focus de la jungle, il a un Graves, bon, Elise, Rek'Sai, il a les picks conventionnels de ouais. la jungle. Hein, bon, je vois pas de pocket pick particulier. Et on ne change rien pour Longzhu. Samsung Blue Sai cette fois-ci. C'est dommage de perdre, parce que je pense que le Red Side en draft, ouais, encore une fois, il est plus simple. Bah t'as deux last pick. Ça y est, Flyus a taillé de la saison. Ouais, non mais... C'est dingue en plus que le pick est underused et lui, on en revoit un petit peu en ce moment quand il y a des gros focus mid lane. Ouais, mais... ça se revoit un peu. Hein. Finalement, elle a reçu quelques ups récemment sur son Q-spell. Et sa capacité à décaler est toujours assez présente, tout en ayant cette capacité de wave clear finalement. Donc elle... Enfin, c'est une catégorie de mages qui est un peu spéciale. Hein. Les mages très forts en décalage, il n'y en a pas tant que ça. Bah, surtout qu'il y a eu un gros nerf d'Aurelion de par le nerf du Rylai en fait. Le perso a un spike beaucoup plus tardif. En fait, il a ralenti plus tôt, mais son pool de dégâts a quand même pas mal baissé. Parce que la cost efficiency du Rylai est plus la même. Donc c'est vrai qu'en full décal... Il n'y a que Talia ouais, qui peut répondre quasiment à ce besoin-là. Aurelion Sol qui est bien aussi. Ouais, mais je te dis, il a été nerf de par le nerf du Rylai. Ça a changé. C'est-à-dire que tu sais que le Rylai, c'est un slot qui est utilisé pour assez peu d'AP, mais tu es obligé d'avoir ce ralentissement sur, sur tes satellites pour pouvoir vraiment placer ton DPS. Ouais. Du coup, tu es obligé de passer par un Rylai Liandry, mais qui est quand même moins fort que JLP Rylai avec la baguette trop grosse. C'est vrai. D'ailleurs, la Sinra tout à l'heure avait fait un Rylai et ouais, j'avais été un peu surpris par ce choix. C'est, en fait, le Rylai, il était up pour les supports et nerf pour les midlaners. Et je pense que c'est un item qui est beaucoup plus situationnel et donc tous les champions qui ont ça vraiment encore se font indirectement un peu nerf. Ah oui, bon, bah là, forcément, si vous laissez... Oula. QV, alors... Ça peut être mid, ça peut être jungle, ça peut être top. Ça peut être support, ça peut être ADC. Ouais. Et ça peut, tu peux EP n'importe quel sort, dans n'importe quel ordre. Et prendre n'importe quel type d'optimisation. Ce sera bon. C'est l'expérience qu'on a pu tirer de une semaine de Challenger League avec Camille. Alors, la réponse... J'attends le Zilean de Fly, là, du coup. Bon. Je pense que c'est une des meilleures réponses à Camille, c'est Zilean. Je pense que ça peut être effectivement très bien. Et vu que c'est un main, un excellent Zilean. Ouais, je pense que c'est une des meilleures réponses. Zilean qui est actuellement en fait, je pense, c'est un pick qui est un petit peu sous-estimé parce que il y a énormément de mécaniques de jeu. Quasiment toutes les mécaniques de jeu sont faites pour pick up un joueur. Et c'est vrai que si tu arrives à faire claquer un ou deux ultis à l'équipe adverse en utilisant que le tien, eh ben tu peux retourner le fight. Et les stéroïdes de move speed sont chers aussi, ils sont assez importants. Alors, Jean, pour rouleur, est-ce qu'on va sécuriser un support ou on va attendre un petit peu de voir la réponse du double ban des Longzhu? Tu peux toujours prendre un... Bah voilà, ça ira. Bon, Jean, ça ira. Attention, hein, ils peuvent se remanger une MF. Hein. Ouais. Bon, ils ont HMF là. Hein. Mais ils ont ban... Ah non, H-ban. Ils ont ban H et ils ont le Jean, donc peut-être... Ils peuvent Varus MF, ouais. Mais ils sentent peut-être moins gênés par le Varus MF. Après, en réalité, le combo peut toujours fonctionner. Même, hein. Ça peut être Varus Mid aussi. Flight c'est joué à la Brooklyn en ce moment. Je sais, mais... Je pense pas que tu investis sur un Varus Mid quand t'as une Camille en face. Parce que c'est quand même très peu mobile, donc ça peut se faire parquer hyper facilement. Alors, le focus de la jungle, un Kha'Zix, il reste Lee Sin... Tout de même, après Haru est pas Haru est pas un joueur de Lee Sin, il a pas joué de Lee Sin de tout le Summer Split de la LCK. Là, en solo queue c'est peut-être différent. Cassiopeia en last ban après Longzhu. Ça va peut-être jouer Ryze. Le dégoût. Contre Camille, je sais pas si ça aurait été autant un problème, Singh. Mais ceci dit, avec cette itemisation, c'est quand même fort très tôt.
Alors, ah, le Echo de Expression, il a beaucoup joué la saison passée. C'est son premier ou deuxième pick. Ouais. Au-dessus de 15 picks la saison précédente. On va rester tranquille côté Haru, Rek'Sai. Et du coup, sur la mid lane. Et je pense que dans l'idée, c'est pas si mal que ça. Hein. Le combo Orianna Kami ou Orianna Rek'Sai. Du shield en plus. Ouais. Je maintiens que Zilean est fort là-dedans. Mais ce sera donc du coup peut-être un Echo mid et un jackstop. Hein. Zilean, tu prends beaucoup de pression contre Orianna. C'est sûr. Et bon, théoriquement, t'as le wave clear range. Alors effectivement, ce sera pas Echo top. Echo mid, jackstop. Bon, on se demandait Jax, Fiora, Kami justement. Qu'en était-il de Jax dans la méta actuelle? Et pareil que Jax est fort contre Kami. Hein. Bah en soi, le fait de rester. Enfin, l'ulti de Kami est pas vraiment gênant dans l'absolu parce qu'avec Jax, tu veux prolonger les échanges, donc très bien. Après, bon, l'ulti de Kami donne quand même des bonus de dégâts face au joueur qui a été ciblé. On est sur 7.1 là, donc Kami, ça a reçu son petit nerf. Hein. Certes. Mais on a aussi joué les matchs la semaine passée sur 7.1. En CS? Non, c'était sur le serveur tournoi. Je suis pas sûr. Hein. Ah si, non. Non, je crois que c'était. Non, je crois que c'est le 6.29 ou 6.29. Mais je suis sûr d'avoir commenté des matchs sur 7.1. Et honnêtement, Kami, c'est toujours excellent. Après. Mais après, le nerf n'est pas non plus scandaleux. C'est un nerf sur les HP par niveau. C'est un nerf sur la durée du shield en passif. Mmh. Et sur le knock-up, sur la vitesse où a été repoussé l'ennemi quand tu faisais l'ulti, où avant c'était très très lent, un peu comme à l'époque du silence de Fiddle qui rebondissait tellement lentement que t'étais silence pendant 8 secondes. Ils ont ralenti ça un petit peu pour que le truc soit pas complètement scandaleux. Non mais Jax, je pense que c'est un champion qui peut avoir du sens et dans ce genre de match-up, de toute façon, le skill prime, voilà, du côté d'Expression, son arme principale c'est son esquive et son stun. À partir de ça, il peut dérouler plein de choses, il peut contrer la Kami. La Kami est mobile, et d'ailleurs, cette Kami, normalement, ne doit pas prendre le stun en agressif, je pense, de ce Jax. Normalement, elle a les moyens de s'en tirer. Par contre, le Jax, de façon défensive, il a des arguments, justement, avec ses esquives et ce stun. Donc, je pense que ça va beaucoup se jouer là-dessus, dans le match-up entre les deux joueurs. Et puis... Bon, introduction. Et je pense qu'effectivement ce qui est assez intéressant, c'est que les deux champions ont une vraie capacité de prendre des trades très courts finalement, où ils te mettent beaucoup de bursts d'un coup et de se retirer. Et finalement, je pense que le principal du duel va résider dans le stun défensif d'Expression. Parce qu'offensivement, j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse agresser QV si le dernier a son grappin. Normalement, ça va pas pouvoir passer. Flash out de la part de Break QV qui directement prend un flash dans ce match, Noah. Ouais, il avait pris le saut mural en début de... En début, il est venu chercher un petit peu. Break, il ne voudra pas le tenter. Il faudrait être un petit peu vigilant, sachant qu'en plus, en red side, donc il y a une opportunité de gang pour Haru. Après, bon, Varus, MF, si tu veux... rester bien safe sur la ligne, te mettre à l'autre bout et last hit à la pluie de balles ou au Q-spell, tu peux. Voilà. Bienvenue à toi, Corgigi. Ouais. Tu reçois le bonjour du Varus MF. Alors, double TP, nous, chez les Longzhu, ce qui pourrait leur permettre des 1-3-1, donc du double speed push. Honnêtement, ils ont le wave clear avec la duo lane. Ils ont les champions pour, et je pense qu'en fait, que Kami soit opposé à Jax ou à Echo, je pense que les deux champions ont des capacités de réponse. Parce que finalement, face à un ulti de Kami, ce qui est intéressant avec Echo, c'est que tu as une zone avec un shield que tu peux positionner, tu as la temporisation de ton ulti également. Par contre, le dive peut être violent. Si QV décide d'engage et est bien supporté par Crown, même avec Ruler, un rappel de rideau, un ulti de Zyra, voilà. C'est-à-dire que si jamais on laisse Crash, Gorilla et Prey tanker la mid lane pendant que les autres splits, ils peuvent se prendre un gros get back. Et là, voilà, on voit Expression qui utilise plutôt offensivement pour moi là, son esquive. QV qui disengage puis re-engage. Donc, je pense que Jax peut être intéressant défensivement dans le sens où il bloque les fights, enfin les engages de Kami au grappin.
Par contre, effectivement, si tu décides de prendre l'initiative et d'y aller en premier avec l'esquive, normalement, le counterplay en face, il est immédiat et il touche là. Et le re-engage, par contre, tu vois qu'il se loupe un peu. Ah, mais il y a du sustain après, voilà, avec le Z. Normalement, alors, on a tout vu comme itemisation, mais il est plus courant sur la top lane de maxer le Z. Il va Tiamat quand même, je pense, QV. Attention, le counter jungle ici de la part de Crash. Crash hyper agressif. Haru qui pull très loin du buisson sur Red Buff. Il a son smite. Là, il va y aller, il va aller chercher. Crash n'a pas le sien, donc il va essayer d'aller prendre le duel avant tout et de mettre un maximum de dégâts. Parce que dans cette condition, il peut entamer son Red Buff. C'est très bien joué. On a vu un décalage de l'autre côté de la part de Gorilla. Et tout ça, Noir fait en synergie avec sa duo lane qui push. Effectivement, le MF Varus qui a tendance à dominer, j'ai l'impression. Ouais, avec une bonne apparition de Crash sur la botlane à ce niveau-là, il sait qu'il n'y a pas de, il y a pas de flash pour Prey, donc il reste dans la zone et il deny complètement Haru. Et ça, en plus, ça offre une grosse sécurité à Prey. Par contre, la gang sur Fly qui va tenter d'all-in un petit peu. Oh, le flash out! Et Crash est là! À la défense, Crab vient le flash in et récupérer le kill. On va être obligé de disengage pour Crash. C'est pas encore gagné, il est pas encore en sécurité. Ça m'a l'air compliqué. Les une auto, il en manque une! Ça s'est joué à pas grand chose quand même pour Crash là-dessus. Très belle action de la part de Crown ici qui a mis les dégâts sur cette phase de jeu. Et ça fait 1-0 pour Samsung et pour leur midlaner, leur diamant brut. Après, il revient avec la téléportation assez rapidement. Donc, il arrive à un peu amoindrir les dégâts qu'aurait pu provoquer après un bon gros push de Crown et le deny de la vague de sbires. Il perdra pas trop en XP. Mais là, c'est du tout bon. Chapitre perdu. On prend du contrôle avec une pink warp pour Crown. Peut-être qu'on va voir un peu plus de Crown à cette game-là. C'est vrai que c'est, je pense que la partie précédente était frustrante parce que finalement il lane bien mais il n'a pas vraiment l'occasion de s'exprimer parce que tout est déjà joué au niveau du bot finalement. Et là peut-être qu'en attirant l'attention au niveau du mid il pourra changer la donne mais sa duo lane va avoir besoin qu'il soit en place, moi j'ai l'impression, parce que Prey et Gorilla sont déjà repartis sur des bases hyper agressives dans leur 2v2. Il y a un petit retard de farm tout de même. Bon, ça va être repris là. Bon, c'est vrai que le bac n'est pas encore finalisé pour Ruler et pour Core GG. Ouais, c'est une Prey avait déjà été fait. Après, il prend une dague d'enclé, Ruler. Il a un peu d'avance au niveau de l'itimisation du coup. Alors, Crash. De la vision positionnée au niveau du mid. Crown n'a plus de flash, Crown n'a plus de summoner. Il suffit d'un cocon. Un cocon, Crash, il met des dégâts, il a mis le red buff aussi, mais ça ne suffira pas ici. Gorilla. Par contre, Haru, il est peut-être allé un petit peu loin et il va se faire sanctionner. L'arrivée de Korjiji qui ne touchera pas sur son snare. Ah, il prend le stun. Il arrive à mettre les stuns quand même, Expression. Pas tous. Tout à l'heure, QV, il lui a juste mis un gros coup de Z. Il l'a regardé mettre son stun dans le vide tout en lui mettant du sustain sur la tronche. Après, le principal pour QV, je dirais pas que c'est absolument de ne pas prendre le stun, c'est de faire en sorte que derrière, Expression ne puisse pas trade. Parce que s'il prend que le stun mais qu'il est hors de portée d'attaque, c'est pas grave. C'est pas très grave, effectivement. Après, il perd la possibilité de counter-attaque, mais dans l'absolu, il perd pas le trade. J'avoue, je suis assez curieux de savoir qui va s'imposer dans le match-up. Il suffit d'un kill pour que tout démarre. Haru qui va venir en gank, Crash qui n'est pas là. Est-ce qu'il peut bait une agression de Expedition? Oh là là, c'est cadeau. L'ulti, QV, il a voulu se rendre inciblable et instunable. Du coup, ça n'a pas fonctionné, mais le principal est quand même dans le kill. Qui devrait prendre là le flash sur Expedition. Il a un sondeur. Haru, ça touche. Combien? Mais pas assez, la potion de corruption. Je crois qu'il a déjà repris, mais il était en dessous des 20 points de vie. Ouais, hein. Il a dû descendre à 20-30 points de vie, je pense, effectivement. Ça s'est joué à une seconde de cooldown en moins ou en plus sur le sondeur de Haru. Qui touche? C'est tout à son honneur. Il n'y a pas de téléportation pour Expedition, ça permet de deny un peu de farming, ça met un peu de pression. Et là, voilà, si Haru avait investi dans un tome d'amplification, hein. Bah, à l'époque, quand c'est sorti, ça fait un de ratio. Ouais, il y avait un de ratio, ouais. C'était scandaleux, les Rek'Sai qui te spammaient des sondeurs. Son Crown. Le trade est bon et disengage. Impeccable. Mais effectivement, Fly avait un pocket echo déjà l'année passée. Oui, il a beaucoup joué. Il avait un pocket echo qui était... De toute façon, on est bien obligé de faire autre chose que de la...
que de la Thalia au rayon, il les a pas vus de la saison. Ouais. C'est vrai que. Il jouait du Victor aussi, du Zilean, un peu moins. Et Lissandra, actuellement, c'est pas hyper en vogue. Attention, oh, Crown. Le fait regardez la zone de convergence dans le dos de Crown ici qui décide de prendre le chemin de la rivière. Il manque une auto-attaque pour Crash ici. Oh. Il a pas de flash, Crash. Eh non, ça va pas. Je le voyais mort 10 000 fois, je me suis dit que Fly viendrait le chercher. Il a avait tellement plus rien. Fait le bon choix en fait, parce que derrière lui il y avait la zone de convergence. Donc en fait, il reculait, il était mort. Il a flash dans la bonne direction, Crown. Bon, c'est un bon petit gang. Ça va faire perdre du temps un petit peu. Il va revenir avec des boots. On prend un tome de puissance en plus. Encore une fois, la Diolen Longzhu qui s'impose sur Ruler. Goria qui va tanker pour Prey. Et on va pouvoir, je pense, push. Il y a le bag de Zyra, de CoreGG. On va pouvoir push et peut-être entamer le bag du côté des Longzhu. Il y a du stuff à prendre pour Prey. Et voilà, le bac. Tranquillement, on va laisser un petit peu Ruler tout seul. QV qui se prend le stun là-dessus. Bon. C'est assez even en termes de trade. Ouais, ça se vaut. Mais après, il n'y a pas eu de total all-in hein, de leur part. Mais combien de fois il l'avait joué Echo? Deux fois la saison passée. Plus que ça, je pensais que c'était. C'était vraiment sur la fin. Je pensais que c'était un. C'était vraiment sur la, fin de, sur la fin de l'année et avec AT. Et sinon, c'est vrai qu'il investit pas Victor, mal dans Zilean. 12 Isandra, 12 Zilean, 11 Aurelion. Ouais, Vlad et Malza aussi sur la fin qui était très utilisé un peu avant les Worlds. Bah, Malzar qui avait été spammé en contre. Mais je me souviens déjà l'année passée, en fait, quand il avait sorti son premier Echo Mid, Fly, on avait été hyper surpris parce que c'était pas le type de champion sur lequel on a l'habitude de voir. Mais il a une affinité avec ce pick. Et pour l'instant, écoute, il est 15-16 devant l'Oriana de Crown. Certes, il a reçu des ganks, mais il est mort, lui. Il est mort au mid. Donc, il a quand même une phase de lane hyper solide. Et il faut rappeler que Echo est quand même un champion qui a un wave clear tout à fait décent. À l'époque où Rock Tiger était encore la lane-up Rock Tigers avant qu'elle explose, à la place de Kuro, moi, je voulais un Fly ou un Crown. C'était pour moi les. Alors Crown c'est encore différent, mais Fly c'était un des AP mid les plus des midlaners les plus prometteurs. Bah après, ce qui est bien avec Fly pour moi dans le profil du joueur, c'est tu sais ce que t'achètes. Tu sais que c'est pas le futur Faker. Ça le sera jamais, je pense. Mais il a un profil qui est hyper intéressant et il est super stable sur ses performances, sur ce pool de champions qui lui correspond. Bah, l'investissement. Du coup, tu sais comment jouer avec lui en fait. L'investissement qui est un peu plus incertain et un peu moins stable, a priori ce serait BDD. Ouais, mais qui a un potentiel latent. Il a un potentiel plus grand que celui voilà. de Fly. Mais je suis assez curieux de savoir comment Longzhu justement va introduire BDD. Peut-être pas dans ce BO. Faut voir si Longzhu perd cette game. Est-ce qu'on fait rentrer BDD par exemple? Ce qui pourrait être sympa. Moi, ça me ferait plaisir de le voir dans ce début de saison. Alors le Tiamat était à terminer sur QV à la top lane. Et pour l'instant on reste sur un seul kill sur ce gank au mid. Effectivement une belle domination de cette duo lane Longzhu. Hein. Bah, honnêtement Prey Goria sur les deux dernières années. Ils ont fait leur preuve. Ouais, ils se battent avec Bang et Walsh pour le titre de meilleur duo lane. Hein, mais encore une fois, c'est deux mecs qui jouent ensemble depuis un long moment. Et ça, c'est un investissement honnêtement qui est vraiment en or pour Longzhu, le fait d'avoir récupéré les deux joueurs ensemble. Et qui doit coûter de l'or aussi. Ils sont bien payés, mais moins bien que leur proposition NA. Oui, oui. Bah, mais bon, proposition NA, ils ne jouaient pas à deux. Oui. Et ça comptait quand même. C'est un bon mix. Et le combo pour Ruler, l'arrivée de Crash avec Elise. La fatigue était positionnée pour CoreGG. Pas grand chose à faire là-dessus. Ulti Prey, Ulti Gorilla. Bah, c'est le combo qui est censé punir la Zyra. Bon, cette fois-ci, c'est pour Ruler. Mais effectivement, finalement, Samsung, ils ont voulu contrer ce genre de dynamique en choisissant le ban de H, noir. Mais ils ont laissé une option ouverte, celle du Varus. Le problème, c'est qu'actuellement, les carry AD capables de faire ça, il y en a trois. H, Varus, Jhin. Et ça permet un combo quasiment mortel avec Miss Fortune.
Et ils veulent absolument jouer celle Zaira, les Samsung. Mais encore une fois, ils laissent des options ouvertes pour la contrer. Dans ce cas-là. Bah, dans ce cas-là, ban MF, ouais. Ban MF. Et là, tu joues Zaira. Au bout d'un moment, si t'arrives pas à contrer, il y a 10 bans. Ben, dans la deuxième rotation, La chocwave sur deux joueurs ici, enchaîné avec un énorme Fly a un ulti. Fly il peut tempo. Fly il peut essayer de disengage. Ça devrait être Haru. Le temps bientôt. Flash out carrément. Ouais, Haru avait bien commencé son action là et finalement il a pas pu aller au bout. Mais son unbureau a permis de mettre un maximum de contrôle quand même. Dommage, Crown ça manque un peu de punch au niveau des dégâts. Et pourtant, il choisit de faire Morello. Ouais, il manque le bâton du vide ou il manque un deuxième objet. Ça met un peu de temps à scale une Oriana. Ah, effectivement, ça commence à être efficace à partir de deux objets. Et encore, faut voir, parce que s'il choisit de faire Void Staff, c'est vrai qu'il aura beaucoup de dégâts. Void Staff, c'est le choix de l'agression. Il aura beaucoup de dégâts, mais son shield sera moins efficace. Donc reste à voir le choix du second item sur Crown. Parce que derrière il y a une équipe qui fait des dégâts quand même, hein. Sarexa, il y a un Tiamat aussi. Il a Camille au top. Et qui a pris un bon petit avantage au niveau du farming, qui a pu mettre la pression sur un timing Tiamat, là où Expression se battait avec un cristal de rubis. Il va venir avec un phage, mais on commence à avancer maintenant sur la Trinité pour QV. Là, il a, en termes de trade pur, il a de quoi brain avec le shield, avec le dash, avec le proc de la brillance, le reset d'auto-attaque du Tiamat. Normalement, je pense qu'actuellement, QV est devant dans les trades sur la top lane. Mais c'est marrant d'ailleurs de revoir Expression sur Jax parce que c'était un pick qu'il jouait pas mal en saison 3. Il y a fort longtemps. Ouais, il y a très 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 longtemps. Mais il était connu pour ce pick à l'époque. Et je crois qu'il avait joué en demi-finale des Worlds contre SKT1K. C'est quelque chose qui demande vérification. Ça peut se trouver. Saison 3 Worlds. Attention, Fly, qui va tenter de s'en tirer ici. L'ulti, le chrono break, qui ne lui suffira pas pour se maintenir en vie derrière les contrôles. Oh, Haru, le Tiamat qui fait le travail ici. Énorme intervention du jungler des Samsung qui fait passer la très mauvaise performance d'Ambition dans le premier match un peu au second plan là. Et qui assure au niveau de sa mid lane, Noah, Haru et Crown, le duo fort des Samsung sur cette deuxième game. Et 3 Jax effectivement pour Expecial en saison 3 championnats du monde. Donc un pic qui date pour lui et avec lequel il y a une vraie histoire. Et une tour qui tombe du coup sur cette mid lane. Première tour de la partie, flash out de l'ulti de Prey. Déportation de Fly. Ouais, oui. J'ai pas vu le moment où ça a été lancé. Est-ce que c'est juste pour aller sécuriser un dragon ou c'était au cas où ça touche du côté de Prey? Je pense qu'il voulait saisir une opportunité s'il y en avait une. Puis effectivement, pour le dragon, ça se justifie. C'est récupéré donc. Dragon des océans pour ses Longzhu. Mais par contre, Noah, c'est vrai que l'année passée, il y a quelque chose qu'on voyait constamment. C'est lorsque Samsung avait une avance en termes de gold, tu revenais jamais. Parce que ces Longzhu nous ont vraiment impressionné sur le premier match. Ça fait partie des équipes Longzhu, c'est dur de prendre l'avantage. Et ça fait partie comme SKT des équipes qui peuvent toujours remonter de nulle part. Parce que quand il s'agit de bloquer une partie et d'attendre l'erreur, c'est parmi les champions. Et là pour le coup on a un petit 3k gold d'avance. Expression au top qui... Expression il perd son match-up tout simplement. Bah il subit finalement ce dont on parlait, le fait de ne pas pouvoir être vraiment offensif et de pouvoir snowball sur son esquive, enfin sur sa contre-attaque est gênant pour être offensif. Du coup il laisse les clés de l'offensive à QV. Il peut contrer en partie, mais le problème c'est que QV n'est pas obligé de all-in à chaque fois. Il peut se contenter de harass avec son Z noir, même si celui-ci n'est pas up au maximum, mais ça fait quand même du harass et du sustain derrière. Surtout ça, puis là il a du stuff à venir récupérer. Là il va pouvoir avancer très largement sur sa brillance. Il y a eu de la tour entre temps qui ont été sécurisés par Samsung. Et la seule ligne qui tient bien, c'est la duo chez Longzhu. Ouais, bah, Prey Gorilla, valeur sûre, c'est aussi pour ça qu'ils ont été... Acheté par Longzhu.
Attention, les chaînes de corruption ici. Oh, Synergie, c'est vraiment bien joué là. Sur cette phase de jeu, la chaîne de corruption et surtout un gorilla qui s'était sorti de la ligne de vue des Samsung. Et du coup, son ulti, je pense, les a surpris. Il ne s'attendait pas à prendre ce combo qui est mortel à 18 minutes de jeu. Encore une fois, Gorilla, sur sa MF, il est toujours placé idéalement. Il arrive bon. Toujours à mettre des ultis complètement inattendus qui surprennent, qui font du dégât. Et Expression qui va lâcher sa tour. Le 1 contre 1 est très largement perdu sur ce début de partie. Alors oui, je lis dans le chat, c'est normal, Jax est censé perdre en début de partie. Là, il perd beaucoup. Et ce sera, à mon avis, très dur de rattraper le retard. Moi, je suis pas spécialement... Quand tu regardes les capacités des deux personnages, encore une fois... Le Jax a quasiment pas de moyen d'être vraiment offensif en début de partie. Après, entre deux briseurs au top, c'est une question de snowball, c'est une question de à qui tu donnes l'avantage. Par contre, là, on n'a pas vraiment eu d'intervention des junglers et l'avantage en 1 contre 1 a été très largement pris par QV. Ouais. QV est un excellent joueur en plus de briseur, un excellent joueur de pique agressif. Donc, à voir, faudra revoir le match-up dans d'autres circonstances avec d'autres joueurs. C'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Pour l'instant, en tout cas... Le pari va en faveur de QV et là il revient avec une trinité Expression. Bon ben il faut qu'il freeze et d'ailleurs là on va voir à mon avis il va se faire démonter. Il faut qu'il disengage. Je trouve qu'il a quasiment plus de mana. Quasiment plus de mana. QV, on y va. Il a un ulti. Bon, c'est le kill hein, normalement. Expression qui va tenter la contre-attaque. Il a un flash. Flash in de la part de QV. On veut assurer. Flash out de la part Expression. Ouais, mais voilà, le son grappin mural permet. De se maintenir au corps à corps sans problème. Donc solo kill pour QV et une longue descente aux enfers qui commence pour Expression, je pense. Ça va être très 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 dur à gérer cette phase. Bah s'ils perdent la bataille du split push, là les longues zoos, leur compo, elle va être, ils vont avoir du mal. Ça va mettre beaucoup de pression sur la mid lane. Il y a toujours cette capacité de dive et de one shot qu'ils peuvent avoir avec un bon combo les Samsung. On a sécurisé la T1 en plus, ça ouvre un petit peu la jungle, ça permet des décalages. Et le burst de Camille. Pourtant c'est un Jax, hein. tout l'outil est quasiment temporisé. Pendant ce temps-là, il y a un teamfight qui s'est engage avec Crash qui va repop et qui va tomber sous les coups de Core JJ. Haru a réussi à disengager avec un flash out. On n'a pas tout vu à cause du replay. C'est du lane Longzhu qui tient envers et contre tout. La top lane a perdu 2 tours, la mid lane a perdu 1 tour. Mais eux, ils résistent, Noah. Et ils tiennent leur T1. Prey Gorilla, c'est vraiment... Ça va être la colonne vertébrale de cette équipe. C'est une des meilleures acquisitions que tu peux faire en étant une équipe de League of Legends. Ouais. Enfin, il y a peu de... En termes de duo bot, ouais. C'est bon, vraiment trop marrant, tu vois, parce que Gorilla, j'ai pris un verre quand j'étais avec lui en Corée. Enfin, il a trop peur pour son avenir. Il dit que ses mécaniques sont déclinantes, etc. Mais il reste là, hein. Il reste là, QV. Alors là, on en parlait justement. Echo a une certaine capacité de temporisation, mais c'est une Camille. Je pense vraiment que c'est un pic qu'il faut pas laisser open. Je veux dire, on peut théoriser tout ce qu'on veut. Il suffit que ça prenne 1 ou 2 kills et c'est terminé. On a vu des Camilles trichot des Rek'Sai. Certes, des Rek'Sai orientés fortement DPS, mais des Rek'Sai. Expression, c'est peut-être le moment là. C'est peut-être le moment. Ouais, il mettra pas le stun. Ouais, il a qu'un Leap Strike, il avait déjà utilisé. Il y a bientôt le saut mural. Oh, les dégâts. Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce qu'il peut y arriver? Oh, il le prend. Oh, c'est étendu. Hein. Il commence à combien de points de vie, QV, le fight? Faut qu'il n'y ait pas d'ulti aussi. Hein. Ouais. Il y a un Jax full life, full mana avec son ulti qui vient de faire son back contre QV qui sort d'un duel contre Fly. Il avait quoi? Il avait perdu un quart de PV, il avait plus d'ulti. Il avait pas son flash. Ouais. Bon. Expression gagne, c'est laborieux, mais il faut savoir saisir ce genre de... Sur un face check. Il faut savoir saisir ce genre d'opportunité quand même, côté Longzhu là, et directement la T1 est récupérée. Au niveau du bot, c'est la réponse des Samsung, finalement, qui font tomber cette tour qui semblait quasiment indestructible pour Prey Gorilla. Ça va être sympa, je pense qu'on va s'orienter gentiment vers une troisième game. Possible, ouais, très possible. Et j'aimerais bien voir rentrer Bididi chez Longzhu si jamais on va à la troisième partie. Voir un peu ce qu'a donné cette période de pause pour le jeune joueur. Ce serait intéressant.
Mais peut-être qu'il rentre pas encore dans le plan de jeu. Ah, c'est possible, c'est possible qu'on reste comme ça. Hein. Fly est loin d'être mauvais. Là, il se fait un petit peu démonter. Mais bon. C'est plus une performance entière après, d'équipe. Après, si tu sens que... C'est ce qui est bien de toute façon avec cette équipe Longzhu. Si tu sens que le pool de champions de Fly s'essouffle et que l'équipe adverse a trouvé la bonne réponse, hop, tu peux mettre BDD in. Et bon, faut attendre le moment où Zilean et Lissandra reviendront. C'est toujours des champions qui ressortent dans une année de League of Legends, ils ont toujours leur temps. Oui. Zilean une fois par an. En général, et souvent vers les Worlds. Voilà, c'est le moment où les gens, les équipes en face ont oublié comment jouer contre un Zilean et oublié qu'est-ce qu'il fallait pour tuer un Zilean et pour essayer de le focus alors qu'il est extrêmement gênant. Et le temps qu'ils comprennent ça, le pic a redisparu juste derrière. C'est vraiment un pic complètement éphémère, mais c'est cyclique. Après, ça dépend aussi de l'état des carries oui. au top. Est-ce que t'as des briseurs, est-ce que t'as des hard carry, ouais, voilà. Est-ce que t'as besoin d'un pick qui soutient tout simplement la mid lane et qui fait du contrôle de lane, parce que tout de même c'est un très bon wave clear Zilean, ou est-ce que t'as besoin après, pour moi, d'un décaleur. Spécifiquement c'est vraiment excellent. Alors, avec un pick comme Caitlyn c'est vraiment bien, mais j'aime beaucoup avec des briseurs au top vraiment. Oh la shockwave, lui ici par Crash qui a le réflexe de proposer donc un rappel. Mais en tout cas, Samsung Noir, ils sont en train d'étouffer petit à petit les Longzhu dans leur style caractéristique, avec la vision qui est accaparée par ces Samsung et la pression. Hein. Maintenant, QV va essayer d'aller disputer ce 1v1. La Expression normalement ne peut pas gagner le trade. Je vois pas. Après la BRK, faudra en reparler. Et encore, voilà, disengage du stun, il y a trop de mobilité, c'est le problème sur cette Camille. Expression n'arrive pas à faire des trades longs. Ou alors Expression entame le trade contre un wall à la base. Et dans ce cas-là, le grappin est moins un problème, il peut mettre son stun. Mais je pense vraiment, enfin voilà, il y a matière A pour le Jax, mais il faut que les circonstances soient réunies. Et on le voit là, le pistolet à Mexec devrait quand même apporter un gros plus. Hein. Il a repris un petit peu en termes de farm. Mais il a du sustain du coup là, le Jax en fait, dans ses autos. Ça change pas mal. Via son sabre vicié. Donc il faut voir. Mais attends, mais QV il va faire une hydre titanesque. Du coup, s'il joue sans sustain dans son 1v1, c'est un peu différent, je pense. Ah. Oh, le shockwave de Crown qui a tenté sans la vision de venir prendre ce kill. Ah, j'adore la blague sur le chat. Le meilleur counter contre les hard carry, c'est quand même le dentifrice. Joli. Ouais. Très bon. Tu as raison. Très très bon. Tu as raison. Tu es passé à la postérité, Nomi Russell. Voilà. Oh, Fly, obligé de flash out pour le rappel de rideau. Il va mettre le Q-spell qui met le slow. Mais un flash utilisé. Crash se fait attraper dans la foulée. Flash out de Crash. On se fait tellement pick up. Ouais, tu peux pas échapper indéfiniment. Hein. Aux tentatives des Samsung, le TP ici de la part de QV, un dash, deux dash, on passe au travers de ce red buff, il a un ulti ici, tout de suite c'est pour Prey. Malgré la fatigue, Prey prend d'énormes dégâts, il ne peut pas tenir face à cet engage. QV qui poursuit ici sur l'AMF de Gorilla qui est tombé également. QV maintenant contre Expression, petit temporisé, il a le saut mural et derrière il peut rejoindre le couvert de ses coéquipiers sans souci. Et pour Samsung, Noir, ça déclenche une prise de Baron Nashor. Ouais, c'est pas défendable. Hein. Fly est trop loin, Expression peut absolument pas rentrer dedans. Et ça fera le break. A priori, à partir de ça, ils vont pouvoir aller chercher les inhibiteurs, faire les backs. Et QV est en train de se balader. Bon, on devrait pas avoir beaucoup de Camille pendant cette saison. On est sur le 7.1. Donc on est après le nerf de Camille. On se le dise. Non mais voilà, Prey peut rien faire. Et Gorilla derrière, pareil, il se fait démolir la Camille qui détruit la duo lane en fait, tout simplement. Un contre deux. C'est la triste histoire des carry AD actuellement. Après l'engage, bon, on part sur un chase, Crash se fait avoir avant, Flash se fait avoir avant, Expression n'est pas au rendez-vous. Donc forcément on a une duo lane sur la fuite, sans ce bonheur quasiment, qui essaye misérablement de survivre contre une Camille qui est fed. Mais un des problèmes pour les Longzhu, c'est qu'ils jouent le 1-3-1, mais avec des split pushers en fait qui perdent leur 1v1. Bah, c'est à partir du moment où donc, la composition est en échec. Par contre, le burst ici de Crash sur Core GG, intervention de Haru, on cherche un bureau. Voilà, il va falloir centre. Revenir, il va falloir c'est revenir. Ouais, c'est assuré, le kill pour Crown ici. Et les Samsung
et un push à venir sans doute au niveau de la mid lane. Noah Prey doit reculer, Gorilla ne pourra pas défendre seul. QV en train de se faire plaisir. L'agression d'Expression, il y a la BRK qui est terminée, oh. Mais les dégâts de QV dessus, on met l'ulti, il n'y a plus le stun, oh, il vient sous la tour. La pluie de plomb ici, Noah qui s'abat, Gorilla. Enfin sans ça, il le démonte sous sa tour. Hein. Oui, je pense qu'il le tue sous sa tour. Ben, en fait, il le réengage alors qu'il n'y a plus de counter-attaque. Donc le Jax, à part mettre des autos et prier pour que le lampadaire soit supérieur aux jambes façon Solid Snake de QV. Mais la différence, c'est qu'il y a 4 tirs en plus pour QV, oui. Il y a le Baron Nashor, il y a plus 3 kills, il y a plus de farm. Bon, oui. Ça va être dur de. Avec. À égalité au goal, à ce moment-là, la partie, effectivement, Expression aurait pu prendre le dessus. Je pense même qu'il l'aurait fait. Mais bon. Le truc, c'est qu'il s'est fait snowball place de Camille. Ouais. Donc, oui, effectivement, c'est plus fort en late. Sauf que si en late, tu t'es fait ramonner, c'est un petit peu trop tard. Et. Bon, on va revoir là. Oh. Là, il voit. Hop, pas de plus de counter-attaque, tout de suite ulti. Bah oui. Voilà. Mais bon, Gorilla était là. Il a pu venger quand même son top laner. Ça permet de temporiser un petit peu sur ce buff Nashor. On allait sécuriser pendant ce temps-là le dragon. Dragon infernal pour Samsung. Au bon moment, avant de rentrer dans la deuxième moitié de la partie. Même plutôt, je dirais, le dernier quart. Vu la rapidité de progression des Samsung. Avec ses 8K gold d'avance. Et le disengage de QV au top. Pendant ce temps-là, c'est la T2 qui tombe à la bot lane. Ouais, Samsung dans son style caractéristique, non hein. Et avec le Baron Nashor, en général, ils prennent absolument tout. Expression essaie de garder un peu son équipe en place avec un speed push au top. On veut empêcher Samsung d'aller au bout de l'utilisation de leur Baron Nashor. Mais bon, ils ont tellement mis de pression, ils ont beaucoup trop d'avance désormais, ces Samsung. Il faut voir si on peut compter sur Prey qui part sur son troisième objet avec un stuff crit qui forcément met plus de temps à venir que les Varus de l'ancienne époque qui dit des Yumu. Oh, Prey, il prend le crit, la tour midlife maintenant sur la mid lane. Expression dans son trade sur QV, le sustain un petit peu. Il a un ulti QV et on va pas tenter le dia pour Expression. Et là, dans ce genre de cas, le problème pour QV c'est qu'il a qu'une chance de sustain, voilà, c'est son Z. Là où Expression, lui, prend du sustain à chaque auto. Bah ça, c'est le choix de... C'est le choix de l'hydro-titanesque. Il va, il prend le stun. Oh, c'est bien joué. Quel esquive ici de la counter-attaque avec l'ulti. On vous rappelle, hein, ça rend inciblable. QV qui gère parfaitement son track. C'est de l'outplay. Comme le top laner des Samsung en est capable. C'est de l'outplay pur et dur sur Expression qui perd son trade. Inciblable, incontrôlable, donc le moment où Camille s'envole dans les airs pour réatterrir et le moment donc où son ulti apparaît. Et c'est vrai que c'est une fenêtre d'invulnérabilité pour la Camille noire. Et là c'est super bien utilisé. Bon on a la réponse. Ça permet de push, ça permet de push à la top lane, de mettre la pression au mid en même temps. Rek'Sai qui est reparti à roue en bot lane. Ça fonctionne bien. Et Crash ne peut pas faire grand chose hein, contre QV. Voilà, on a quasiment une T3 qui tombe au mid. C'est la Bérésina. Rappel de rideau. On va essayer de sniper peut-être. Prey, flash out de Prey. On va tout mettre sur Haru du côté des longs zooms. Et Haru qui est devant, qui a un ange gardien qui tank tranquillement. On manque encore un petit peu de dégâts. Fly n'arrive pas à rentrer dans la mêlée. Et ce sera un inhibiteur mid qui tombera pour les Samsung, ouais, qui avancent tranquillement vers leur première victoire de la saison. Alors c'est vrai qu'après après le personnage de Camille est fort, hein. Moi je vois vos réactions sur le chat, mais il faut bien voir que la fenêtre en fait pour mettre l'ulti et pour esquiver comme ça, elle est... Je veux dire... Faut la mettre dans tous les cas et il avait loupé déjà QV dans certaines phases de jeu dans cette game, donc c'est pas quelque chose qu'il a réussi à chaque fois, mais disons que sur ce moment où il y avait possibilité de kill, enfin où il y avait kill quoi qu'il en soit pour l'un ou l'autre joueur, il a réussi à le sortir et voilà, après ça déroule. Attention, on tente de pick up côté Longzhu ici, mais j'ai l'impression Noah
que la situation est de plus en plus difficile pour eux et au bot. Gorilla est tombé. Qu'est-ce qu'il faisait seul au bot, Gorilla? Excellente question. Ça coûtera la tour, ça coûtera l'inhibiteur aussi, parce que là on est en train d'essayer de back en catastrophe pour les longues zoos, mais on arrivera un petit peu tard. Voilà, la vitesse de push des deux AD de Samsung ne leur laissera pas le temps de défendre. Et pareil, on continue au top, deuxième inhibiteur qui tombe, on va avancer vers la tourelle du Nexus. Est-ce qu'on peut faire un catch? Est-ce qu'on peut faire un catch? Le cocon qui ne passera pas pour Crash, qui se fait stopper directement par Core JJ. Et la contre-attaque, rappel de rideau sur Fly. Il a pas touché. Oh. Il a été forcé à l'ulti, Fly. Il a eu peur. Ouais. Il a été forcé au flash aussi. Donc Fly, là, il va être plus ou moins inutile et obligé de repartir à la fontaine. Et pendant ce temps-là, le reste de son équipe tombera. C'est et fini. On va gagner ce match côté Samsung. Égalisé, donc un partout entre les deux équipes. On aura le droit à un match 3-3. Très intéressant, on l'avait dit. Ce BO... ouvre parfaitement finalement ce début de LCK, bon, même si c'est pas le BO d'ouverture, mais en tout cas c'est la première journée et c'est un BO qui s'annonçait très relevé. Je ne suis pas déçu parce que proposent ces deux équipes. Il y a eu un match clairement Longzhou, un match clairement Samsung, et cette fois-ci ils ont réussi à jouer avec la Zaira Hanois malgré un combo en face qui mettait en difficulté. Ouais, mais la victoire est pas venue de la Duolen. La Duolen, au début, Prey et Gorilla ont encore une fois dominé leur phase de laning. C'est Crown et Haru qui ont outplay et Kyuvik qui a méthodiquement gagné au fur et à mesure son match-up. C'est ça, donc c'est encore une fois la Zaira. Oui, ça gagne, c'est loin d'être grâce à elle. Et c'était limite plus un poids qui, encore une fois, a fait peur. Et on voyait le visage sceptique du petit frère de Flaker. Ouais. Mais je pense que Camille, dans tous les cas, c'est pas un champion que tu peux oublier de ban actuellement. Il y a de quoi c'est faire. C'est 5 bans et tu laisses passer Camille, j'ai... Bah après, moi j'aime bien le principe, si tu ça doit pas, ça doit si pas, tu laisses Camille open, c'est d'avoir peut-être une Poppy pour venir essayer de faire un petit truc... Enfin, d'avoir du peel, ça reste un bruiseur. Ouais, ça peut être un peu plus chill d'avoir du peel, même s'il y a énormément de shield que jouer avec une Orianna. Enfin, c'est quelques équipes maintenant avec des Camille triple shield. Karma, Camille, Orianna, là ça devient vraiment gênant dans la combinaison. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait dans cette partie. Mais effectivement, on est passé à 10 bans. Ça laisse dans un premier temps, la première rotation de draft, de pouvoir dégager 3 pics complètement fumés et après d'ajuster pour faire un peu de contre. Ouais, ouais, en tout cas, je pense que Camille sera ban au prochain match, mais actuellement en red side, c'est une grosse erreur de laisser ce champion open. Enfin, à moins qu'on ait la solution parfaite, mais encore une fois, actuellement, j'ai pas vu de solution parfaite appliquée face à une Camille. Hein. En général, Camille, ça gagne quand c'est sorti. Du coup, le match 3, eh bien, à venir après une page de publicité sur Eurogaming. On se retrouve tout de suite après. Retour pour la dernière game de cette journée de LCK, cette première journée de LCK 2017, après le 2-0 infligé par les KT aux Rocks. Il y a un partout entre Longzhou Gaming, la nouvelle équipe de Prey et Gorilla,
et les vice-champions du monde, les Samsung Galaxy. Le pic Camille qui a fait la diff dans la game précédente et donc une réaction attendue de la part des Longzhu Chips. Oui, sachant qu'eux ont très bien joué sur la game 1 et ont dominé leurs adversaires. Donc maintenant, un partout, balle au centre. Quelle équipe va tirer son épingle du jeu et va réussir à dominer ce BO3? On attendait les Samsung Galaxy, ils ont répondu présent dans la game 2. Les Longzhu ont aussi montré de très belles choses. Donc là, ça ressemble à un 50-50, mais attention à la draft. Attention à la draft. Alors, la draft, pour ce qu'on en a vu, maintenant que, bon, généralement, c'est toujours la Corée qui est le maître étalon de la méta internationale. La draft, elle ressemble à quoi? On va dire que les trois premiers bans ressemblent, je dirais, vraiment pareil à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on va ban les champions jungle, les gros champions de la... On va faire sa draft comme si de rien n'était. Et après, l'orientation en fait, de la stratégie, le counter-pick vraiment réel va se faire sur les deux derniers bans. Et donc, c'est là-dessus que ça se joue, en fait. C'est vraiment là-dessus que des fois, tu te retrouves avec des équipes surprises et avec des incapacités de counter-pick. Donc, à voir justement cette draft qui ne devrait pas tarder à arriver. Bah écoute, je suis vraiment curieux. Hein, et surtout, continue à voir Prey et Gorilla... s'exprimer dans les meilleures conditions. Ils sont vraiment bons, honnêtement. Ça a l'air d'être l'assurance tout risque de cette équipe Longzhu. D'ailleurs, au niveau du... je ne sais pas si c'est Longzhu qui joue... qui va jouer Blue Side ou pas dans ce match. Ils ont joué... Ils ont joué Blue Side first. Ouais, théoriquement, c'est Blue Red, Red Blue. Side. Ouais. Non bah, normalement, et le match retour se fait dans l'autre Red sens. Red Blue Red. Ouais. Théoriquement, oui, c'est ça. Bah oui, je pense. Du coup, on commence à voir un peu ce nouveau système de pick et ban. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de capacité d'adaptation au red side, mais le blue side a une priorité. C'est ça. Ouais, on sent que le red side a quand même un gros privilège dans la draft. Parce que tu joues en réaction, ce qui est quand même plus simple. Donc, il y a vraiment un 5 très intéressant. Bien évidemment, celui de Samsung n'est plus à présenter. Vous avez sûrement suivi les finales des mondiaux de League of Legends. Et il gagne avec Haru aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit pour le match précédent. Mais Samsung, qui est une équipe qu'on avait appris à connaître dans le succès, notamment avec les 4 joueurs qu'on a là, plus ambition dans la jungle. Mais là, c'est Haru qui prend la relève. Et si Samsung se met à avoir un joueur qui peut... compenser les temps faibles d'ambition, parce que ça lui arrive dans une saison ambition, écoute, ils vont avoir une équipe aussi qui s'annonce particulièrement redoutable. On est parti dans la draft de cette game 3, Zab. Avec Haru encore, exactement. Et le first ban, donc du côté des Longzhu, qui vont jouer Blue Side et la Cassio. Hein. Crown, il n'a pas énormément de picks, mais il est tellement redouté sur chacun d'entre eux qu'il est... vraiment difficile de jouer sans lui mettre un seul ban. Hein. Toujours fly hein, au niveau de la mid lane. On verra pas Bididi s'exprimer aujourd'hui. Non. Deuxième ban sur la mid lane. Enfin, troisième ban sur la mid lane. Mm-hmm. Du coup, est-ce que la solution de repli se fera naturellement vers un Viktor pour Crown? Ça, Oriana a été très intéressante sur la game précédente. Ah, Camille. Cette fois-ci, elle est ban. Et par le red side, qui a la charge de ban ce champion. Ouais, parce que ça, c'est un first pick. Hein. C'est un first pick immédiat. C'est la dette inhérente au red side. Ouais, c'est ça. Bon, après, t'as beaucoup d'avantages au red side, mais pas celui d'avoir un ban libre. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et ban Varus, les Longzhu. Ah, ban Varus, peut-être first pick H du côté Longzhu. Parce que là, ça laisse un Jin, parce que Rouleur est quand même bon sur Jin. Il s'était totalement adapté à la méta du Jin sur les Worlds précédents. Ouais, mais par contre, Jin, même Jin MF est quand même moins fort que mais HMF. C'est la hache de Prey. Et c'est pas rien, Zab. Non, c'est ça pas a quand rien. Même beaucoup de valeur. Mais je vois bien un ban Jin et dans la deuxième rotation, je pense que c'est pour forcer le pick Jin, sinon ils le banneront. Maokai. Maokai.
Ah, et priorité dans la jungle, du coup. Donc, Haru sur ce Kha'Zix qui lui avait été ban sur le match précédent. Ouais. Donc là, il a une grosse frontline au top. Il peut partir sur un champion squishy carry dans la jungle. Ah, surtout contre une hache, hein. C'est toujours un bon choix d'avoir un champion qui peut dive comme ça sur ton carry. Puis Kha'Zix qui bénéficie parfaitement de la dissociation entre invisibilité et furtivité. Ouais. Et donc son ulti le rend vraiment... Ça en fait un personnage redoutable parce que tu le vois pas et il se déplace comme il l'entend. Et souvent près de Kari Squishy, bien entendu. Ouais, il y a des phases de dégâts qui sont quasiment impossibles à gérer. Fly, qui va peut-être pique le Singe. Alors, le gros avantage, c'est que ça règle un peu les débats sur la top lane. Hein. On l'a vu lors de la game 1, à moins qu'ils aient une solution. Echo. Donc là, on a deux flex. Ben finalement, le Maokai était dispo, donc ils auraient pu essayer de voir plutôt pas, quoique Samsung a dans tous les cas l'Last Pick Red Side. Donc ils auraient pas pu counter. Donc ils décident de sécuriser Echo plutôt les Longzhu et d'attendre un peu plus pour voir ce qu'ils vont de mettre entre les mains d'Expecion. Je pense qu'ils vont jouer Jhin Zahira. Donc du coup, est-ce qu'il va y avoir un ban de Jhin? Ça pourrait être intéressant. Il y a Jabat Varus, comme ça tu joues avec Ezreal Zahira. Après Ezreal Zahira, on a vu, hein, c'est très fort. C'est bien aussi. Parce qu'Ezreal, vu que c'est indépendant et que ça n'a pas trop besoin d'être babysit, Zahira elle peut vraiment se concentrer sur le fait de mettre des dégâts. Est-ce que Crash a un Lee Sin? Ah, ça c'est la question. Orianna? Toujours du mal avec le ban d'Orianna. C'est un pic. Pour moi, c'est un pic qui est en termes d'équilibrage qui est un peu médian. Donc, il mérite pas vraiment de ban, mais dans les mains d'un bon joueur, peut être décisif. Mais je pense pas que ça mérite vraiment que tu te prives d'Orianna parce que ça bloque littéralement aucune mécanique de jeu. Et la Shockwave, c'est pas non plus le sort dont tu dois te méfier dans le mid-game. C'est pas si fort que ça. C'est vraiment late, ça fait très très mal Orianna. Donc finalement pas de ban Jhin, donc je pense un Jhin pour Ruler. Ça semble être la solution la plus plausible. Ah non, finalement bah Ezreal Zahira. C'est vrai que c'est aussi une solution de choix, Ezreal. Deft l'a montré lors du premier BO. Ouais c'est un... Et puis Ruler est excellent dessus, ça a été un des premiers personnages sur lesquels il a fait ses preuves en arrivant l'année passée au Summer Split chez les Samsung. Ah, je voulais voir si Crash avait un Lee Sin. Et le choix s'oriente naturellement vers ce personnage. Ouais, et là, c'est ce que j'étais en train de penser. On verrouille. Bah, le ban Orianna, c'est peut-être pour justement Echo. C'est un ban ciblé pour Fly qui déteste le match-up. Et donc, il va jouer mid lane à ce moment. Mais, il va prendre le Victor. Expression. Ah, il décide de jouer Corki Crown. C'est vrai, Corki qui actuellement a le vent en poupe. Ouais. Pourquoi pas une compo POC en fait? Beaucoup de POC, mais finalement Corki deal beaucoup de dégâts également en fight et ils ont une draft assez mixée à ce niveau puisque Haru assure beaucoup, enfin une bonne part des dégâts physiques. Le Ez a des dégâts mixés, le Corki pareil, même si ça s'oriente plus sur le magique, le Ez un peu plus sur le physique, mais ça reste mixé. Il y a une Zahira qui est un personnage aussi qui peut en infliger et bon Maokai. On sait que ça peut finir premier aux dégâts dans oui. une game. Ouais, c'est une possibilité qui existe. Donc écoute, en termes de mix de dégâts, l'équipe de Samsung est au point, je pense. Et ils ont beaucoup de POC. Et ils apprécient jouer avec des drafts de POC, les Samsung. Ça leur permet d'avancer méthodiquement sur les tours, de réguler les déplacements sur la carte, de faire en sorte de faire back l'adversaire. Enfin, bref, le POC est un outil de contrôle dans League of Legends. Et Samsung aime contrôler les games. Côté ouais. Longzhu, c'est un peu plus basé sur l'outplay et sur l'engage. C'est basé énormément sur le pick-up et l'engage. Après, c'est vrai que si tu, c'est des champions qui, à part Nautilus, sont assez squishy et donc sont victimes du poke. Donc je pense que la draft n'est pas idiote hein, du côté des Samsung. Et Crown forcé sur son Corki après avoir reçu 4 bans.
Après, je pense que un peu comme Faker, c'est-à-dire que Faker il s'est aussi diversifié parce qu'on a commencé à le target. Ouais. Et puis à un moment donné, il a tellement étendu son pool de champions qu'il est devenu absolument indraftable. Et je pense que Crown va subir un peu le même destin hein, parce que. Peut-être, ouais. Chaque fois qu'il maîtrise un champion, il est tellement redouté. Oh, et on n'est pas parti. J'y ai cru. Ouais. Bon, en tout cas, ce match qui va quand même démarrer très bientôt, on espère. Et donc, un partout entre ces deux équipes, qui va repartir avec les points de la victoire entre ces Samsung et ces Longzhu, sachant que Katie Rolser, pour l'instant, est premier du classement. Bon, ils ont gagné 2-0 ce matin. Donc voilà, un petit plus 2 pour eux et un très, très bon début. Au niveau des autres matchs de la semaine, Zab, demain, donc à 9h du matin, ce sera Jiner contre SK Telecom T1, les champions du grand titre. C'est Twix et moi, je crois. Il y a Nono, il y a Twix. Tu Twix viens, Nono toi? Je sais pas, je crois que je suis sur le planning, faut que je vérifie. Si je peux dormir, c'est cool aussi. Tu fais ton choix. Hein. Ouais. Tu n'es pas forcé de venir parce qu'il y a deux casters de base. Après, moi, je pense que je vais venir avec ma veste SKT T1. Ouais, celle de Bengi. Ouais, et MVP contre Barbecue Olivers aussi demain. Ouais, ouais. Alors, autant le premier match, je suis hyper hypé. Autant le MVP Barbecue, un peu moins. Oh là, quand j'ai il y a eu un cheese là du côté des Longzhu. Pendant qu'on racontait des bêtises. Ah, ils prennent le flash sur Zyra. Ouais, c'est bien ça. En early, c'est sur un bon timing de gank de la part de Crash. Et il va y avoir un petit Africa Freeze contre Samsung jeudi. Ouais, ça, celui-là, il est hyper intéressant. Après, il y a un KT BBQ. Samsung qui joue des grosses équipes hein, d'entrée de jeu, ou en tout cas des équipes qui ont été reformées et qui sont censées faire partie du top tier coréen pour moi. Ouais. Et KT, bon, petit. Petit training contre Barbecue Olivers. J'ai pas vu la semaine prochaine, là, mercredi Longzhu prochain, il y a un petit Longzhu KT. Bah ouais, hein. Bah, de toute façon, forcément, les gros matchs vont arriver vite. Hein. Ah ouais. Il y a beaucoup de grosses équipes, c'est un peu comme dans le championnat anglais. Et le KT Freaks aussi qui risque d'être sympa. Ouais. Ouais. Ah oui, le championnat, ouais, c'est ça. C'est la première. Mais de toute façon, la LCK, c'est. Attention, oh le contre. De la part des joueurs Samsung, ils ont la vision à roue. C'est parti directement dans le gauge. Le burst, trash, flash out, flash in la panda ou first blood pour les Longzhu, enfin pardon, pour les Samsung là-dessus. Très belle phase de jeu. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais ça, on l'avait vu et revu. C'est vraiment un cheese de solo queue classique. C'est que au moment du pull, normalement, le type qui te pull va péter en fait le petit bulbe derrière pour éviter justement ce genre de phase de jeu. Et bah, là, ils viennent de détruire la jungle de Crash. Celui-là, il passe derrière. Et ils l'ont tout de suite focus. Hein. Ils ont tout mis sur Crash, Flash Inaru. T'imagines, il prend le blue buff, il deny le blue buff, il prend 400 gold, et là il laisse son item jungle. Et Lee Sin, il est au bois. Ouais. Voilà. Et on dit souvent que c'est ce qu'il suffit à un Kha'Zix, quelques kills en early game. Par contre, c'est vrai que c'est un personnage qui est dépendant à ce niveau. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à entamer une forme de snowball dans son match, ouais, il va avoir du mal à être hyper efficace. Ah, par contre, Crash est en danger. Hein. On a le décalage peut-être de la duo lane des Samsung. Corji qui pourra aller prendre de la vision. Gorilla qui est en position. On veut assurer ce blue buff à Crash. Il faut de l'expérience. Haru est en train d'arriver. Il n'a pas encore de smite Crash. Il pourra assurer avec compte sonore. Ouais, c'est réussi. C'est ok pour Crash qui va revenir dans sa jungle. Ramsek en face. Oh là là, regarde, il va partir immédiatement sur son adversaire. Crash qui prend de lourds dégâts. Haru qui se balade. Et il lui reste encore un red buff à récupérer. Ouais, forcément avec deux épées longues. Là, il est le roi de la jungle. Le jungler des Samsung. Ouais, c'est lui qui décide actuellement de comment les choses vont se jouer. C'est une situation que tu ne veux pas rencontrer quand tu joues Lee Sin. Lee Sin est un pick qui est fait pour dicter le jeu. Pas pour le subir. Je suis complètement d'accord avec toi, Chips. Mais du coup, voilà, parce que pour avoir décrit un peu Crash, c'est un joueur qui est agressif, offensif, etc. Mais le fait est que quand tu joues à League of Legends, tu te retrouves pas toujours dans la situation qui sied parfaitement à ton style de jeu. Donc c'est là où on va voir aussi, il est jeune,
Il doit apprendre, Zab. Encore une fois, il a fait 30 matchs compétitifs la saison passée. Ça commence à être correct, mais ce n'est pas non plus le nombre de matchs d'un titulaire. Donc, il va falloir prendre de l'XP pour Crush. Et ce genre de choses va lui arriver en LCK où la jungle est une religion. Ouais, la jungle est une. Elle porte bien son nom. Comment il va se relever? Comment il va se relever de ça? Il y a ça. Et en plus, il arrive, comment dire, dans cette saison 2017, dans une méta où Lee Sin n'est pas le jungler le plus agressif de la méta. Alors que Lee, généralement, ça l'est. Avec Nidalee l'an dernier, enfin les deux dernières années. Mais Lee Sin a toujours été, tu vois, le champion un peu que tu prends pour en all-in pour essayer de burst des laners. Oh, Crush, justement, qui va à l'invade sur Alou. Mais Alou est bien positionné. Il va se retourner niveau 4, niveau des 3. Ouais. Hop là. On va se raviser. Mais ouais, la présence de Kha'Zix, de Rengar, vraiment, Lee Sin, c'est pas un pick qui est aussi fort dans les trades qu'il aurait pu l'être dans d'autres saisons. Ouais, c'est parfait au niveau du farm. Hein. 40 creep à 26 du côté de Crown. Encore une fois, Prey et Gorilla qui dominent les débats au niveau de leur bot lane. Ah, effectivement, je pense qu'Echo ça connaît des difficultés contre Corki. Surtout, en fait, ce qui est très bien avec Corki mid, c'est vraiment, tu peux aller chercher Xrinker. Et Xrinker, c'est vraiment c'est un item qui empoisonne la vie des midlaners AP. Ouais, c'est monstrueux. Et c'est vrai que Corki, c'est un personnage qui jouit de toutes les stats du jeu. Et surtout, le fait de construire la Xrinker, finalement, te permet de tenir avec la Gatling. Parce que qu'est-ce qui fait la différence très souvent et qui permet à Corki de gagner les traits sur le long terme au mid, c'est cette Gatling. Ouais. Plus tu stack, plus tu vas être efficace. Et le souci, c'est que bien souvent, enfin avant les Xrinker, en fait, tu dois te retourner, tu dois un peu kite ou autre. Alors qu'avec les Xrinker, tu peux vraiment face et assurer un maximum de dégâts de ce spell. Et Crush, toujours un Harou. Ce niveau de moins, Zab. Ouais. Ouais, toujours niveau 4 contre niveau 5. Après, bon, on sonore coup résonnant. Quand t'as quelqu'un derrière comme ça, tu vois que le pot qui est bon. Mais c'est pas suffisant. Et Harou, il régène bien. Et quand il va revenir avec son item jungle terminé, ça va être très très difficile de le contenir, ce Kha'Zix. Il y a un vrai timing à jouer pour les Samsung. Et les 900 gold d'écart, on sait à quel niveau il se situe pour l'instant sur la carte. Hein, au niveau du farm de Crown. Et bien évidemment, au niveau de Harou, puisque la duo lane est quand même bien derrière. La quinzaine de 16 de retard. Crown continue à dominer tranquillement. Et il fait pas Xrinker, il choisit Trinité first, donc il sera quand même sensible aux lignes de fly. C'est vraiment le bon côté d'Xrinker, c'est de prémunir des gros lignes des AP mid. Ouais. Par contre, si tu décides de partir sur Trinité, t'es plus fort en Arras. Mais t'es plus sensible à un all-in. Après, si ton Arras est bien fait, le all-in a moins de chances de se produire. C'est ça, surtout que tu crées un différentiel en termes de dégâts qui te permet justement de partir plus offensif. Là, pour l'instant, Fly, il n'a pas l'itémisation pour aller all-in à Corki. Donc, il peut y aller. Crown, ça va lui permettre de deny encore plus de farm. Et Harou, hein, qui... je sais pas s'il veut pas couper la... La prise du blue buff. Ah, il a envie. Mais là, c'est compliqué. Il sait qu'il y avait le décalage de fly. Ah, il attend. Hein. C'est vrai que s'il a l'opportunité de burst, j'imagine qu'il a... Ouais, si fly avait fait le grand tour, en fait, il aurait pu forcer le Lee Sin à prendre le blue buff et deny un peu la régène de fly. Mais fly, intelligemment, en fait, a été très, très safe sur son déplacement et a fait le contour par les loups. Donc, pas possibilité de couper, justement, pour Harou. Ils le savent de toute façon qu'Harou il va jouer très agressif. Sachant qu'il a cette avance en termes de niveau, pourquoi se priver? Et Crush, rien qu'en faisant ça, il prend des risques, même si là, la présence de Gorilla fait que c'est quand même calculé. Côté Longzhu, invade maintenant pour cette équipe. On va aller chercher le blue buff. Attention, Corji prend l'information. On pourrait avoir un décalage de crowd, mais Harou est très loin. Il n'y a pas de jungler, Crush a son smite. Donc là, à moins que Crown fasse quelque chose de très précis, mais Fly avait très bien anticipé son adversaire en plaçant une zone de convergence. Et de ce fait, eh bien, il n'y aura pas de contestation sur le blue buff des Samsung. Ce qui est dommage hein, pour un Corki, même s'il a sa brillance, donc un bon pool mana. Le fait de pouvoir spam ses sorts est toujours hyper avantageux. 86 creep au compteur là. On a commencé à avoir un sacré écart, hein, Chips. Hein. On s'approche de la trentaine.
C'est pareil. Ouais, ben, écoute, comme d'habitude, Prey et Gorilla font parfaitement leur travail, mais là, leur problème, c'est que Crash. Je parlais sur la mid lane. Pardon. Mais oui, Prey et Gorilla, bon, ils sont scénarios. J'étais sur la bot lane dans ma tête. Ben, c'est vrai qu'après, le scénario est inverse. Hein. Et au top, bon, entre Expression et QV, c'est vrai qu'il y a petit avantage pour QV quand même. Ouais, j'ai tendance à dire que Maokai. Normalement, ça devrait s'égaliser. Là, je crois qu'il y a une grosse vague de creep au top. Donc, ça soit une dizaine de creep entre deux tanks, c'est pas très grave. On s'en fout complètement. Il faut le dire, voilà. Faut pas se cacher. Faut pas avoir peur des mots, ça. Faut pas avoir peur des mots, faut le dire. On en a rien à foutre de l'écart de farm entre les deux tanks. Tout à fait. Voilà. Alors, petite question sur le chat. Hello Twix, est-il toujours chez Gaming? Eh bien, oui, et il sera présent pour cast demain, la LCK. Exactement. Alors, le gank ici. Sur QB. QB flash très tôt. Est-ce qu'il a un moyen d'outplay s'il prend le Colossus? C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Tu pars de loin sur la lane. C'est le kill pour les Longzhu et pour Expedition en fait. Crash ne l'a pas récupéré. Ouais, bon après, c'est pas trop mal hein, pour Expedition. Un tank qui est fed, c'est un tank qui est encore moins tuable. Déjà qu'ils sont très très durs à faire tomber. On revoit l'action. QV qui attend dans le buisson. Et ça laisse pas beaucoup de chance à QV de s'en tirer hein, ce genre d'action. Non. Voilà, après c'est faisable maintenant parce que QV n'est pas encore très tanky. C'est aussi ce qu'il faut prendre en considération. Ah, c'est les moments où tu dois faire tomber en Maokai en fait. C'est le moment où ça vaut le coup. Parce que QV, si t'es mise résistance magique et point de vie pour son match-up, du coup, pour Crash, il va maximiser ses dégâts physiques. Enfin voilà, il part sur des montants d'armure qui doivent être assez basiques pour QV. Donc forcément, il va faire très mal. Donc c'est un timing où ça vaut le coup de passer au top. Dans 5 minutes, ça sera sans doute moins intéressant. Ouais. Alors, je sais, le chat qui râle un peu sur la hitbox de l'encre. Oui, ok, on est d'accord, elle est un peu raccro cette hitbox. Mais en même temps, une encre, c'est large. Voilà, exactement, c'est le jeu, ma pauvre Lulu. C'est fait pour ratisser large. Et il y a des Moby Boots hein, qui sont partis sur Haru, qui a préféré pas terminer son item de jungle pour être présent un peu partout. Espérons que ça. Enfin, c'est toujours un investissement un peu all-in, les Moby Boots. Donc, eh bien, espérons qu'il arrive à convertir. Et toujours cet avantage du côté des Samsung hein, qui se traduit par un différentiel assez énorme dans la jungle. 46 creep à 74. Ah, Trash qui essaye, hein, mais ce qui. Niveau 1. Ouais, c'est ça, c'est tout se joue au niveau 1. Ah, c'est très difficile de remonter actuellement parce qu'il n'a pas le plein contrôle de sa propre jungle Crash. Du coup, le jungle share doit aller en faveur de Haru. Mais encore une fois, Lee Sin n'est pas un personnage qui est équipé pour subir. Et Crash n'a pas forcément le profil d'un joueur qu'on connaît comme étant bon lorsqu'il s'agit de subir le. C'est là où parmi les licines, Crash, là, on sonne dans le con résonnant, le kick, ça fait très très mal. Et ben regarde, on parle du loup, il s'illustre parfaitement. Bon, ça c'est ce qui est un peu sale avec licine actuellement, c'est que sur un QRQ. Rien faire. Tu vaporises la plupart des champions à ce moment de la partie. Bah, voilà, il met clac, il met l'auto quand même au passage. Donc il met 3 autos, un E, bon. Voilà, le combo est parfait. À Roux, on le sent, il n'y a pas eu de résistance. Hein. Quand non. Il a vu qu'il était kick flash, il s'est dit bon, ça sert à rien que je flash, c'est fini, c'est pété. Exactement. Et non, je trouve qu'il y a un vrai côté un peu resistance is futile du côté de Lee Sin. Au niveau de son kick plus Q. Mais bon, c'est le jeu. En tout cas, il est construit comme ça actuellement. Pourquoi flash, pour ceux qui se demandent? Je pense qu'il voulait le mettre dans une situation où en fait, il ne pouvait pas jump au niveau de son blue buff ou autre, par exemple. Voilà, en le remettant dans la rivière, en fait, il coupait ses possibilités d'escape avec des jumps. Oh, l'arrivée de Haru, attention, la contre-attaque va être extrêmement efficace du côté des Samsung. Ruler qui va réussir à prendre le kill d'un barrage terrible bien ajusté. Haru qui ne va pas continuer son chase sur Prey. Et pourtant, je pense qu'il en avait envie, mais voilà, sur le côté, il y a Expedition qui va se faire pile. Ruler qui essaie de régénérer pendant ce temps, c'est bien ce que fait Haru. Expedition, mais Expedition. Attends, mais on a Crown qui arrive ici. Expedition qui devrait tomber sur cette phase de jeu, c'est pour Haru, sereinement. Un double kill. 3 kills pour Haru désormais. Prend 2 kills, ouais, 3 kills. Et là, sur cette phase de jeu, c'est 2 kills plus un assist avec un kill sur Ruler. Autant dire que Haru se met double. Autant dire que Prey, là, il est en train de se dire bon, ok, c'est pour ma gueule dans très peu de temps. On va revoir l'action. Expedition qui a fait son TP ici. Ça a parti de bonne intention, mais regardez, les Samsung étaient suffisamment nombreux
pour contrôler. Et derrière, un Nautilus a quand même des possibilités d'outplay limitées à 1v3. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. On restera là. Et sur la top lane, par contre, forcément QVT est venu poke la tour, mais qui n'arrive pas à la récupérer. Donc, ça, encore une fois, c'est des golds que n'auront pas tout de suite les Samsung. Et toujours hein, ce différentiel, regarde, 121-153 et 151-122. Donc les deux carry lane qui se répondent du tac au tac en termes de farm. Et du coup, attention, hein, cette domination Samsung est légère au niveau des golds, mais il leur suffit de très peu à la bande à ambition qui regarde ses coéquipiers depuis le banc. Là, après une mauvaise performance sur son match 1, on vous le rappelle, Haru a pris sa place. Haru, récent transfuge finalement, qui avait officié l'année passée du côté des Sigentus. Sigentus, qui n'a pas fait une année resplendissante, non, puisqu'ils ont été relégués en Challenger Series. Mais il y avait des bons éléments à prendre. Je pense que vraiment, l'histoire, celle de la Sigen l'année passée, c'est plutôt des bonnes individualités dans l'ensemble, dont certaines qui ont un très gros potentiel, mais une impossibilité notoire à créer un groupe, en fait, une cohésion. Ouais, c'est ça. Exactement. Je sais même pas s'il y avait une vraie brebis galeuse chez CJ, parce que les joueurs, ouais, vraiment. S'il y avait Bubbling. Ouais, Bubbling. Ah, si, Bubbling. Oh là 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 là. Ah, il était infect, honnêtement. Il était infect. Ah non, mais c'est vraiment rare de dire ça d'un joueur coréen. Ouais, je sais, mais là, là c'était terrible. Mais ouais, CJ Antus. Qui l'an dernier. En fait, le problème, c'est que être. Pas très bon à LCK, c'est une catastrophe. C'est difficile. Tu joues au minimum être très bon pour pouvoir tenir dans cette élite, parmi l'élite sur League of Legends. Après, bon, je pense que Bubbling peut, genre, il y a moyen qu'il se fasse en bout. Enfin, qu'il trouve un poste au NA ou en Chine. Oui, tu peux toujours. Il y a moyen de faire passer une pilule. Il ira chez Giants, quoi. Ouais, oui, par exemple. Giants Bubbling. Attention, là. Oh, ça touche. Ça touche sur Crown. Derrière, est-ce qu'ils ont l'enchaînement flash de la part de Crown? Bien joué, hein. Il a réussi juste à lancer un début de Valkyrie qui lui a permis de sortir de la zone de convergence du écho de Fly. Et du coup, après ça, il a pu flash, sinon il aurait pris double stun. Et à ce moment-là, ça aurait été le glas pour le mid laner des Samsung qui, pour l'instant, triomphe sur cette mid lane avec toujours un écart gold très intéressant. Et après, il a un build qui lui permet vraiment tous les écarts. Mais c'est bientôt qu'on devrait avoir le pic de puissance, enfin le premier vrai pic de puissance pour la draft POC. Salut. De Samsung. Haru qui dive ici tranquillement, niveau 11. Donc forcément, le reset du jump et on enchaîne. Et le jump, bien sûr, beaucoup plus long. Et ouais, là, ça enchaîne. Il devient un assassin très difficile à gérer avec ce red smite en plus de ça, Haru. Et pour Prey, dont on en parlait. Après ce sera bientôt ce double pour kill, moi. Ce sera terrible, ce sera bientôt pour Prey, oui, mais bien sûr. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, ce sera bientôt pour moi. Mais le souci en plus, c'est. Enfin. Ça manque de vision sur le bot side de map en plus. Ouais. Donc Prey est la cible naturelle de Haru, et en plus de ça, ça commence à manquer de vision pour les Longzhu. Et la tour qui tombe, les Longzhu qui commencent à prendre l'eau dans ce match-up contre les Samsung, et on sent que c'était pas prévu comme ça à la base. Ce First Blood en early sur Crash a perturbé le plan de jeu et la draft des Longzhu. Alors la question, voilà, le dragon infernal en plus qui est commencé par Samsung Galaxy. Je sais pas s'il va y avoir une réponse du côté Longzhu. Et en plus de ça, la situation est assez inquiétante pour Longzhu parce que s'il se retrouve à se faire siège finalement par les Samsung, ils n'ont pas de capacité, enfin je les vois pas réussir à mettre en place un split push qui gêne vraiment Samsung. Non. Donc, et sous tour, voilà, on voit Echo qui a proto belt, il a un manteau de Négatron, une brillance, donc autrement dit, pour du wave clear, c'est pas le Echo le plus explosif qu'il y ait. Ash, ça reste Ash et tu peux t'exposer. Attention, le kick flash, c'est de la part de Crash. Le Q-spell ne sera pas parfaitement enchaîné. Corgis se repositionne impeccablement et derrière, la ronce qui viendra à bout de Crash. Il l'a tenté, hein, cet outplay. Crash, ça fait partie de son ADN. C'est ce type de joueur.
Mais pour l'instant, sur ce match, rien ne lui sourit, Zab. Non, il n'a pas beaucoup de chance, il n'a pas beaucoup de réussite. Le téléport qui est lancé, on va se profiter justement du midlaner qui dispose de son sort d'invocateur. Fly qui va rentrer au contact contre QV. Expression avec lui. Pendant ce temps, on a une tour 1 qui est tombée à la botlane. C'est récupéré par Ruler et QV qui va réussir à s'extirper. C'est fort là, ses adversaires. Il route puis flash instantanément en ayant bien attendu la fin de la zone de convergence. QV connaissait les limites de son personnage en termes de tankiness qui, bon, sont très élevés. Oui, ça très va. Très élevés. T'as Maokai, Poppy, bon, même Nautilus. C'est permissif. C'est permissif. On peut se permettre de prendre 4, 5, 7, 15 coups de tour. Surtout qu'il était attaqué par deux personnages qui font des dégâts magiques principalement. Voilà, donc autant dire des caresses hein, pour. Au vu de son itemisation. Ah non, pardon, c'était Haru, j'ai rien dit. En fait, Haru est sorti, je crois, du. Haru, ah non, non, Haru, Haru par est sorti. Là. Non, voilà. C'est ça. Fly. Bah, c'est Fly Expression, donc là, en termes de dégâts. Bah oui, il a manteau du spectre, il a sandales de mercure. Ouais. Il sort pile de la ligne de vue. Donc c'est bien fait, vraiment, de la part de QV. Qui lui aussi a ses petits secrets pour pas mourir. Hein. Il est pas dans le même style que Soaz, mais ouais, il est difficile à sortir de sa lane aussi. Soaz, il est spectaculaire. C'est ça, sa botte secrète, c'est qu'on se souvient à chaque fois que Soaz survit. Ouais, c'est à chaque fois des disparitions à David Copperfield. Hein. Exactement. C'est un peu Akali IRL. Ouais. Le public en transe qui se lève. C'est ça. C'est non. Ça, Soaz, c'est vrai. C'est un. Et puis toujours un flegme. Ouais. Un flegme en interview. Alors 1-0-4 pour le Ezreal de Ruler. Bientôt la mana Moon. Ouais, il est parti sur Trinité First. Du côté de Crown, on a beaucoup de dégâts également à proposer. Quand ils vont se regrouper les Samsung et qu'ils vont poke, les Longzhu vont avoir beaucoup de mal. Je pense qu'ils vont, se faire gratter petit à petit comme ça. Le problème, c'est qu'il y a, là, on parle souvent. Voilà, qu'est-ce que c'est un gros différentiel de gold à 20 minutes bah, c'est 5K. Ouais, et là, on y est. Et c'est énorme. Hein. C'est, en termes d'itemisation, regarde. On a une protobelle en face. On a déjà BF. Regarde, on a Manamune. Allez, tu le vois au niveau des ADC. C'est-à-dire que les golds globaux du côté Samsung sont. Sont vraiment importants puisque le Ezreal a déjà terminé son itemisation sur deux items. Alors que la Hache, qui lui met 50 crypt, a toujours pas terminé son deuxième item. Donc ça donne une bonne représentation de l'état des finances. Il y avait une question intéressante sur le chat. Depuis quand les Nains n'ont pas gagné un BO5 au World? As-tu la réponse, Zab? C'est pas CLG en saison 1? Ils en ont jamais gagné, c'est la réponse, parce que c'était pas des BO5. Ah, c'était des BO3. Ouais. Exact, Chief. Mais je pense que le dernier BO gagné dans un playoff, c'est en saison 1 ou un truc comme ça, hein, peut-être en saison 2. Puisqu'en saison 4, TSM se fait balayer par White. Ils ont jamais gagné de BO5 World. Ah non, bah ouais, mais je disais, même en BO3, je pense que ça remonte à très très longtemps. Hein. Ouais, ça remonte. Bah, à l'époque des BO3, en saison 1, ils en ont gagné. Ouais. Ah, mais c'est une véritable catastrophe, hein, la Ligue NA. Hein. Oui. Et pourtant, il y a plein de fric. Et vous l'encensez avec nous, hein. Vous avez créé votre propre bestiaire finalement. Écoute, parfois je pense que le mot bestiaire est superbement utilisé. Oui, clairement. Bah, c'est un peu comme les Pokémon. Hein. Chacun ses spécificités. Et c'est petit, c'est mignon, ça court et on aime bien les capturer. Je sais pas si je dois parler de l'urgence à raconter une histoire parfois. Pour maintenir la hype quand le niveau de jeu n'est pas au rendez-vous. Mais écoute, on a réussi à créer des mythes et des légendes, tu vois. Un petit peu comme l'Iliade et l'Odyssée, tu vois. Ouais, c'est vrai. Nous sommes un peu les Homer de la ligue nord-américaine avec Noah. Ok, Crown Homer en train Simpson, de chaîne, attention ici. Ils sont en train de se faire cut les Longzhu. QV n'ira pas finalement chercher à faire la différence. Alors, le reverse sweep des Cloud9 ne s'inscrit pas dans une game des Worlds, mais dans des games NA. En NA, ils peuvent reverse sweep Cloud9. Ça va, ils y arrivent. En NA, ouais. Ah bah oui, mais pas Worlds. Mais pas Worlds. Ouais. Oh, Crash. Pauvre Crash. Voilà, on le saura. Il va falloir un petit peu se solidifier, je pense, mentalement pour Crash. Et essayer d'être plus patient parce que là il se fait catch beaucoup et il tente des choses comme s'il avait le même niveau de ressources
que dans les prévisions, et ce n'est pas du tout le cas. L'arrivée de Expression, attention parce que les dégâts sont très très lourds sur ce Baron Nashor. Est-ce qu'il va y avoir un steal? Oh là là, mais oui. Attends, mais ça a été pris par Haru finalement. Mais Crown s'est repositionné de façon assez douteuse finalement. Et ici, les Longzhu tentent de jouer leur Vatou. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de gold derrière la sortie de Haru. Il est totalement fed et il enfonce complètement la tentative d'encerclement des Longzhu. Les Samsung font la différence et là ils vont pouvoir push avec 3 morts chez Longzhu et un Baron Nashor disponible. Crown a fait peur sur son repositionnement parce qu'il avait la grenade ASM. Il a knock-up 2 joueurs de son équipe en allant Valkyrie derrière eux, mais ça manquait de punch côté Longzhu. C'est le problème, Zab, ils ont pas de burst. Là il leur fallait un énorme mage en fait. Ah bah là c'est sûr que ça aurait été plus simple avec un très gros mage, avec une cassure là, ou ce genre de Crown, hop, il prend sa duo lane. Mais voilà, ça manque de dégâts. Flight jump dedans, il n'a pas les ressources. Gorilla essaie, mais il se fait sortir par Haru. Sans problème. Sans problème pour Samsung qui devrait dérouler, je pense, Zab, et aller prendre eh bien, la victoire dans ce BO3. Ouais. Bah, tu vois, je te disais avant le match que moi j'aurais bien vu une victoire de 1 de Longzhu, mais c'était sans compter sur cette action de niveau 1 qui a. Je pense que l'idée de jeu elle est bonne, mais à partir du moment où ton Lee Sin se retrouve à donner 400 gold au jungler adverse, perdre son bleu et passer quasiment tout son early game à courir après le compteur de gold, et ben pendant ce temps t'as un Kha'Zix qui peut absolument se feed partout, et on le voit un 5-1-3 à chaque fois qu'il jump sur un adversaire, même si c'est un tank, il le déchiquette en petites pièces. Et ça, ça fait complètement le travail hein, pour les Samsung qui n'ont pas vraiment à se fouler pour envoyer les Longzhu dans les cordes. Hein. Oh, les dégâts sur Prey là, il est obligé de reculer le carry ADD à Longzhu, l'ancien joueur des Rogue Tigers, condamné à retrouver sa fontaine pendant que Samsung enfonce encore un peu plus la bot lane avec cette T2 et on ne s'arrête pas en bon chemin, Chips. On va sur la T3. On enchaîne ici la zone de convergence de ce Echo. T3 à terre désormais, Samsung qui pousse son avantage jusque dans la base des Longzhu, l'inhibiteur qui devrait être récupéré. Et le souci pour Longzhu, c'est qu'il n'y a quasiment pas de possibilité de menacer. Étant donné que ce Echo n'est pas bien dans sa game, et qu'on a un Maokai qui est monstrueux, un Kha'Zix qui peut one-shot la hache, quelle est la solution, Zab? Il n'y en a pas. La hache 6 items, avec un pile monstrueux, kick de Lee Sin, zone de convergence sur la hache, le shield avec. Je ne vois pas. En fait, ils peuvent piquer. Le problème fondamental des Longzhu actuellement, c'est qu'ils peuvent pick, ils peuvent engage, mais ils n'ont aucun moyen de burst la cible qui est choisie. Exactement. Même un focus, pour moi, ne peut pas aboutir à un kill. Et en plus, regarde, l'itemisation, elle est faite pour détruire la frontline du côté des Samsung, puisqu'on a pris directement le rappel mortel hein, sur Ruler. Donc Expression, même lui, il est quand même exposé au poke. Il a Muramana aussi de compléter. Hein, ouais, il a Muramana, rappel mortel plus Trinité, donc le poke est vraiment vraiment violent. Donc je vois pas en fait. Flèche de hache et après. Même s'il y a flèche de hache, zone de convergence, ils vont en tuer un. Et après ils vont se faire oblitérer. Donc ouais, là c'est compliqué hein, vraiment. Ça risque d'être une mort lente et douloureuse. Peut-être pas si lente que ça. Hein. Les 30 minutes de jeu sont un objectif totalement jouable pour Samsung. QV, il y va, Maelstrom en même temps. Voilà, l'ulti là qui lui permet d'encaisser tout ce qui lui est mis. Aucun problème. On vient de bait la zone de convergence. Et le poke vraiment qui empêche complètement les joueurs de Longzhu de revenir dans cette game. Et un différentiel de 12 kagol à 27 minutes de jeu, c'est trop. C'est trop. Voilà, ça avance, ça frappe la tour. Attention, l'engage quand même. Ruler qui se fait énormément burst. Il va être obligé de flash derrière le kick de Lee Sin. On va prendre le kill. Le Burial Drone arrive derrière et va même l'ignorer. Ils vont peut-être faire la rotation sur la mid lane, les joueurs de Samsung. Alors, ils perdent Fly contre Ruler. Alors, ils l'ont tué finalement. Crash a dû s'employer. Haru hein. En chasse ici. Haru, le kick de la part de Crash. Ouais, je t'ai dit sur un bon Q-spell. Ouais. Le problème c'est que pendant ce temps que Shuan va en terminer avec la ouais. T3, on va prendre l'inhibiteur. Oh, directement on va aller dans la backlane, on va essayer de faire tomber Prey qui s'en sort avec RHP. Finalement le sapling qui ne touchera pas. Oh là, c'est passé pas loin. J'ai cru qu'il s'était arrêté un temps de trop là-dessus et l'inhibiteur qui devrait tomber. Ouais, même là on peut y aller. Hein. Alors on met tout sur QV, même si on le tue, qu'est-ce que ça change? L'inhibiteur est tombé sur la top lane, la bot lane. Ils peuvent le laisser les Samsung, c'est pas grave. Voilà.
Là, le travail est fait. Hein. Et du coup, Samsung qui devrait aller bien tranquillement gagner ce match désormais. Belle prestation de leur part. Une première rencontre un peu difficile avec Ambition absent. Et là, on retrouve un peu plus l'identité des finalistes des champions du monde 2016. Ouais, solide. Après, solide. Tu sais, il y a des games un peu non-game. Je pense que quand tu veux prétendre au tier 1 LCK, il y a des erreurs que tu peux pas faire. Et bah, ouais, Samsung, tu leur donnes un truc aussi gros. SKT, Samsung, je pense KT aussi dans ce registre-là. Si jamais tu leur donnes First Blood, Blue Buff dès le début de la partie, je pense pas que tu puisses revenir aussi facilement. Ou alors, il faut vraiment avoir une compo. Là, il aurait fallu à la place d'une Karma, un Malzahar, et puis sur la mid lane, un truc qui burst à mort, genre une Cassio ou un Ryze, pour pouvoir dire on stall, on joue le late game, mais pas avec une draft comme ça. D'ailleurs, il joue où Mash cette saison? Noah, tu sais où est-ce qu'il joue Mash? Il est pas dans une équipe. Personne n'a recruté Mash. C'est fou! Mais il a forcément une place dans une équipe coréenne. Ah oui, il fait une pause. Après une année trop parfaite, il se dit qu'il a plus rien à gagner. Alors là, attention, Fly peut-être pour un autre play. Ils arrivent à focus crowd finalement. C'est pas si mal que ça ce qu'ils arrivent à faire, les longs zoos en fight, honnêtement, dans des conditions qui sont difficiles. Et je dirais Samsung peut-être un peu suffisant sur leur engage. Ouais, là, Samsung qui go in un peu. C'est YOLO. Ouais, c'est un peu 2D. Hein. Tu sais très bien où est-ce qu'ils vont arriver, tu sais exactement ce qu'ils vont faire. Ils le font. Derrière, il récupère même pas une tour Nexus, l'inhibiteur est pas pris. Prey, là, il se régale, hein, parce qu'il farme énormément, il a 326 creeps, il a 60 creeps d'avance sur son adversaire. Il va atteindre son quatrième item, et il va commencer à être très très dangereux, hein, car il est des longs zoos. Et c'est peut-être, là, je te dis, la seule porte de sortie, c'est une H6 item avec un énorme pile. Mais cet arrow de Prey, regardez l'arrow de Prey, énorme entre tous les joueurs, ouais. Il arrive à toucher Crown, c'est assez monstrueux, et on le sait, hein, c'est un sniper, Prey. Et derrière, c'est Rafale qui commence à faire des dégâts. Hein. Même si le Maokai met du temps à tomber, il est là. Et les longs zoos, hein, qui vont un petit peu en dernier choix aller sur ce baron. Ils savent qu'ils ne pourront pas le contester autrement. Niveau 15 autrement. Pour Haru, niveau 14 pour Crash. Avantage du smite pour Haru. L'Haro directement. Il faut finir maintenant, il faut burst, ça passe pour les longs zoos. C'est pas terminé, Chips, hein. Eh bien écoute, il va falloir que Samsung se réveille effectivement. Là, par contre, et après Prey, quel arrow de sa part. Oh, le paquet de la part de Crush. Directement le kill de la part de Crush. Il va essayer de le focus. Crush a mis sa fatigue. L'arrivée de Haru. Crush est mort. Crush et derrière, Execution. Ouais. Non, Haru qui s'en sort, pardon. Bonne fatigue de la part de Crush, non. Ouais, Crown qui a joué avec le feu, hein, parce que l'ancre a failli le toucher en plein, ouais, vol. Et ça aurait été catastrophique. Alors normalement, on va aller pouvoir prendre le troisième et dernier inhibiteur. Et le flux des sbires devrait être trop imposant pour que même avec un baron, les Longzhu puissent défendre. Maintenant, ça n'est pas fait. Est-ce qu'ils vont aller faire un deuxième dragon infernal, les Samsung? Ouais, c'est le cas. On va s'assurer le plus de ressources possible quand même. Après, ils peuvent attendre 2 minutes, hein. Ils savent très bien qu'ils auront. Par contre, l'inhibiteur bot side, je crois, va respawn. Oui, effectivement, il y aura un peu moins de pression sur les épaules des Longzhu. Et Gori et Prey qui va chercher sa lame d'infini, là, j'imagine. S'ils peuvent le faire, les Longzhu, est-ce qu'ils peuvent revenir? Ce serait quand même un bel exploit. Normalement, tu reviens pas contre des Samsung. Qui domine à ce point. C'est un peu comme SKT finalement, dans la façon de fermer le jeu et de te laisser quasiment zéro possibilité. Ouais, mais pour le coup, là ils ont pas trop été comme ça. Là où SKT te fait d'abord craquer tous tes summoners avec, ouais, des fausses engages. Ouais, là, comme je dis, c'est peut-être un peu de suffisance dans la façon d'aborder ce push au mid. Ouais. Ça devrait être corrigé là, j'imagine. Puis bon, avec les deux dragons infernaux, je pense qu'ils vont, avoir beaucoup de facilité là maintenant, les joueurs Samsung. Il y a vraiment beaucoup de dégâts. Petite QSS qui a été lâchée pour rouleur. Et on avance. L'inhibiteur qui a pop sur le top side. On y retourne, on fait la rotation, on continue à emmener les doubles vagues de grosses bières.
Alors, on essaie d'aller à la pêche pour Expression. Ouais. Attention à l'engage. Ils le savent, les joueurs Longzhu. La vue multiple. Il n'y a qu'une. Il n'y a qu'un engage qui pourra les emmener peut-être à la survie. On ne parle pas encore de victoire à 33 minutes de jeu. Les cooldowns de respawn sont encore trop courts. Et finalement, eh bien, Samsung intelligemment va pouvoir récupérer un inhibiteur supplémentaire dans cette partie et avancer vers les tours TK du Nexus. Voilà. Bon, là. Et là, heureusement, il y a un bar. Là, c'est simple pour Samsung. Enfin, c'est simple. Timon, faut réussir à composer avec ce Baron Nashor en face. Tout ce qui reste 25 secondes de Baron Nashor. Ouais. Et une fois qu'il n'y aura plus de. Ouais, il n'y aura plus beaucoup d'arguments pour Longzhu hein, pour réussir à dépush 3 waves de Super Sbire. Ça c'est fait quasiment beaucoup. Infaisable. Voilà, avec leur draft. Là, je pense qu'ils ouais, vont arriver, ils vont poke. 3 secondes. Là, dès qu'ils vont voir les sbires, voilà, revenir à la normale. Je crois que le. Et ils engagent juste à ce moment-là. QV qui va pouvoir tanker. On a Rouen qui bien regarde en flanking. Ruler Fly. Qui va essayer de tenir contre Fly. Ruler, le hit and run contre Fly. L'ulti défensive de Fly. On a mis les moitiés de points de vie quand même hein, sur les joueurs Samsung. Non, mais là, ils vont prendre leur vague de super sbire. Ouais. Les Longzhu. Et sans Baron H, regardez le poke là. Qui commence à tomber de la part de Crown. C'est maintenant qu'on va savoir là, sur la prochaine vague de creep. Le match pourrait se conclure, je pense. Ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que le problème c'est qu'il n'y a aucun sbire bleu. Après, Prey il fait d'énormes dégâts. Mais bon, même avec un Runan, il touche 3 cibles, hein, pas plus. Et ça poke. Je sais pas ce qu'attendent les Samsung. Ils ont peur quand même de l'engage hein, sous la double tour avec les dégâts de la hache. Ils n'y arrivent pas. Hein. Ils veulent sans doute gratter. Ouais, ils voulaient gratter, mais ils choisissent clairement la voie de la prudence ici. Ils vont faire quoi? Ils vont attendre le respawn du baron? Parce que c'est pas tout de suite. Hein, c'est. Non. C'est une bonne question. Bon, il garde la maîtrise de la situation dans tous les cas, Samsung. Mais c'est vrai, attention. Hein, parce qu'il, attention après. Il laisse revenir ses Longzhu. Il y a un scaling d'ADC qui n'est pas du tout le même. Hein. Entre une hache et un Ezreal, il n'y a pas photo. Ezreal ne pourra pas avoir les dégâts d'une hache en Very Light. Et il y a un pile. Il a déjà plus de gold en fait au total, ouais. Prey. Bah oui, là, avec les différences de farm. Gorilla qui défend toute sa base depuis tout à l'heure. Ils arrivent à maintenir les T4. Et regarde. On a l'âme d'infini, faux spectral, runan et rappel mortel. Donc là, ça nerf la régène du Maokai et ça fait très 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 mal. Je pense qu'il faut être vigilant. Si Prey tombe, il n'y a pas photo et les Samsung gagnent. Mais tant que Prey vit, il reste un espoir pour les Longzhu. Il y a un package du côté de Crown. Oh l'engage est pas mal, c'est sûr. Haru, voilà, on va essayer de frapper Haru qui va être obligé de sortir derrière. C'est QV qui se fait kite avec la hache. Lock, crash qui réactive ici, on veut prendre le kill, on reste fight. Et le get back de la part des Samsung ici qui se sont parfaitement retournés sur crash. Les Longzhu perdent leur jungler, Zab. Ils ont essayé ce focus, mais encore une fois, ça manque d'explosivité, de punch en termes de dégâts à côté Longzhu. Ah bah Gorilla, il avait qu'une seule cible, c'était QV, et on a vu qu'il a quand même mis pas mal de temps à le faire tomber. Hein, l'ADC Very Late, là, le rappel mortel qui sera jamais aussi fort que le dernier souffle d'autres fois. Et on va poke, voilà, maintenant les tours du Nexus, toujours pas, l'engage sur Haru, ça va suffire, non, il va réussir à jump. Pendant ce temps, on a Fly qui essaie de venir en flanking, mais il n'y arrivera pas sanctionné par le poke, ça sent bon pour les Samsung. Attention, Prey qui se retourne, qui va peut-être faire tomber QV, Prey obligé de rester sage et de maintenir son équipe à flot. 25 secondes avant le baron. De la part des Longzhu quand même si Crash tombe, il reste toujours, en tout cas, ils peuvent pas être spécialement plus mal que la situation dans laquelle ils étaient là, les objectifs reviennent sur la carte. Est-ce qu'il reprend un inhibiteur, celui du bot peut-être? Celui du bot et celui du top, ils devraient pas trop tarder à revenir. Hein. Ouais, mais ils viennent de perdre le mid. Ouais, non, ils viennent de perdre le mid. Le top devrait respawn, ouais. Mais dans combien de temps vis-à-vis du Baron Nashor, ça risque quand même d'être délicat. Ouais, le problème c'est que là il faut all-in. Ah, il y a la lame d'infini désormais sur Prey. Ouais, il a le Prey qui veut commencer. Ouais, ça pour moi c'est le c'est,
Il reste Fly. Il y a le TP de Fly qui va venir justement. Attention au Larsen, attention au Larsen, attention au Langage Fly qui arrive, qui est déjà très très low HP. Il a pris pas mal de pots. Il y a QQV qui est pour l'instant en situation de frontliner. Gorilla qui a pris aussi de long dégâts. Attention, ça. Oh, quel kick ici, le Maokai dans tous les joueurs. C'est peut-être le moment de faire la différence. Épuisé pour le listing de Crash. Ce Baron Nashor, attention désormais, Prey qui flash out. Les Samsung sont en chasse, ils récupéreront Expedition. Et de l'autre côté, c'est Haru qui tombe sous les flèches de Prey. Rouleur qui trouve une option peut-être. Et dans la base des Longzhu ici, les Crypt Samsung font le travail, font tomber ces tours Nexus, mais Longzhu est en visable. Quelle défense de Longzhu, quelle défense. Encore une fois, un homme Prey qui eh bien, s'amuse presque de ses adversaires, ce flash. Ils perdent l'inhibiteur là. Ouf, c'est compliqué. Hein. Après, il y a le Baron voilà, qui permet de tempo énormément sur les sbires. Ouais. Dragon ancestral pas accessible. Et Prey qui, encore une fois, se gargarise de gold. Je sais pas ce qu'il va prendre en dernier item. Est-ce qu'il va jouer full agressif pour essayer vraiment d'en terminer avec la... Ouais, il va prendre Danseur Fantôme et du coup, il va jouer... Bah, il va jouer la hache tourelle de destruction. Hein. De toute façon, le 6 item, c'était vraiment comme, encore une fois, la seule porte de sortie. 500 creep pour cette hache. Le problème, c'est qu'avec le poke, si jamais ils font le dragon ancestral, les Samsung, je pense qu'ils vont pouvoir ça va être difficile. Tenir face à des super sbires et face au poke. À moins qu'un homme. Crash. Attention, il prend directement beaucoup de dégâts. L'arrow qui est lancé. Crash en position. Qu'est-ce qu'il peut assurer son Q-spell? Il va y aller. Non, c'est récupéré par Haru finalement. Fly qui a tenté quelque chose de chrono break utilisé pour revenir dans sa propre jungle. Et là, attention, ce push Samsung ouais, ça devrait être ne souffrira le bon. Aucune résistance, Zab. Parce que même avec un Baron, ils peuvent tenir au niveau des sbires, les Longzhu. Mais ils peuvent pas éternellement résister au poke. Hein. C'est-à-dire que là, après, si tu prends une Bertha de Corki, t'es pas bien. Et en plus, les Samsung ouais, qui ont l'équivalent là, de 3 dragons infernal. C'est dur. Comment faire Longzhu ? Et là, voilà, tu vois les sbires qui sont emmenés. Et s'ils se laissent pousser trop jusqu'à leur Nexus, ils vont juste se faire dépasser. Après, oh, voilà, il y a énormément de dégâts. Attention, la Karma derrière en soutien. QV qui va tenter de percer. Il est contrôlé. Prey qui cherche la roue de la part de Prey, Haru qui tente d'y aller ici et finalement ils iront sur le Nexus. A trop reculé les Longzhu, ils se sont exposés à cette fin, mais bon, c'était difficile quand même face à un dragon infernal, enfin un dragon ancestral, pardon. Gros BO quand même entre ces deux équipes. Ça promet une belle saison de LCK. Hein. C'est beau, hein. C'est beau parce que tu sens que chez Longzhu, avec un early game de Crash différent, tu sais pas du tout ce qu'aurait donné cette game. Et Crash, je pense qu'il va prendre de l'expérience. Hein. À mon avis, c'est vraiment un joueur très doué. Je pense que c'est un des futurs talents en devenir de la jungle coréenne. Ouais, mais il a besoin de ne pas se faire cheese, ou il a besoin justement de prendre de l'expérience et de savoir comment gérer ce type de situation. Et Haru a été assez bon aussi. Hein. Honnêtement, Haru, parce qu'Ambition, pour moi, faisait vraiment partie des meubles chez Samsung. C'est autour de lui que l'équipe a été reconstruite en 2016. Et là, il arrive et Haru, et honnêtement, il reprend parfaitement le flambeau. 2 victoires d'affilée pour lui et un très très bon début de LCK, Zab. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats pour aujourd'hui? Donc 2-1 pour les Samsung face au Longzhu. Une belle performance hein, de Samsung pour commencer cette saison. Et les KT Rollsters qui se sont imposés plus tôt dans la matinée. 2-0 face aux Rocks Tigers. Des KT Rollsters moyens, mais largement suffisants. Il y a peut-être un peu trop de niveau. C'est-à-dire qu'on ne les a pas sentis en forme. On ne les a pas sentis juste tactiquement. On n'a pas vu le jeu d'équipe. C'est juste qu'à un moment, il y a Deft qui solo carry in-game. Et puis l'autre, c'est Smeb. Et puis voilà. Terminé. C'est avec Fiora. On savait que ça se passerait fini. Plus ou moins comme ça. C'est fini, c'est pété. Et du coup, eh bien, ça termine cette première matinée de LCK. J'espère que vous avez passé un bon moment à la suivre. Vous avez été nombreux, en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Le retour de, façon, de la compétition, généralement, éveille vos mirettes. Et demain, ça continue avec SKT T1 contre les Gina Green Wings à 9h du matin, suivi de Barbecue Olivers. Oui. BBQ MVP à midi. Oui, alors au niveau des rediffusions, pour ceux qui n'auraient pas pu voir ce matin, ce sera à partir de ce soir à 21h sur la TV1.
Vous aurez donc ah non, ce sera après Donjons et enfin Tales of P. Tales of P. Tales of P ce soir. Après Tales of P, donc ce sera vers 23h normalement. Qui est du JDR pour ceux qui ne sauraient pas. Ça c'est pour Chips. Et quant à moi, je serai sur la Extra Cup sur la chaîne Overwatch. Ouais, très bien. Voilà. Du coup, nous, on va vous laisser. On va remercier quand même rapidement nos partenaires, donc Asus, ROG, Intel, la Fnac et Allo Resto. Non, Allo Resto. Ah, Allo Resto est pour l'instant plus actuellement, pour le moment, partenaire. Autant pour moi. C'est pour ça que tu me regardes avec des yeux malins. Ah, merci Noah de m'avoir prévenu. Non, mais je l'ai faite aussi, hein, t'inquiète. Très bien. Eh bien, voilà. On vous remercie quand même. De toute façon, on les remercie tout de même. Hein, voilà, ça reste des poteaux. Ça reste des poteaux. Et on se dit donc, à demain pour la suite de LCK. Et à ce soir pour Tales of P. Ciao.